LinkedIn réunit plus de 18 millions de professionnels en France. C'est le réseau social numéro 1 pour la génération de leads. La publicité ciblée sur LinkedIn vous permet d'atteindre les bonnes personnes pour faire grandir votre activité. Trouvez de nouveaux clients grâce à l'audience unique de LinkedIn. Check. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous. Plaisir de vous accueillir ce soir ou cet après-midi, toujours dans le respect mutuel. Merci d'avoir accepté de faire le déplacement malgré la pluie, mais ça ne vous empêche pas d'être là. Nous vous excusons pour le petit retard, mais vous savez toujours, il y a toujours un souci technique de dernière heure, mais on doit vous dire que normalement, tout est prêt. Mais avant de commencer, nous avons le plaisir déjà de faire appel à la belle Fabiola qui va nous interpréter l'hymne national pour démarrer. Merci, je vous demande d'être debout. Merci. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On va accueillir Madame Fabiola. Bonsoir tout le monde. Elle va entonner l'hymne national notre cher Haïti. N'hésitez pas, si vous la connaissez, chante avec moi, il n'y a aucun souci. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Marchons unis dans nos rangs, point de traître du
soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, mourir est beau. Notre Applaudissez s'il vous plaît. Merci Madame Fabiola. Merci beaucoup. Merci. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et tout de suite nous faisons place à l'artiste Bicool qui va nous interpréter tout de suite État pays. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Artiste Bicool, mesdames, messieurs. Check. Bonjour à tous. Je m'appelle Bicool, donc j'ai sorti un titre récemment qui s'appelle État Pays. Peut-être que vous avez déjà entendu ce titre. En tout cas, je vais l'interpréter pour vous. Et juste avant, j'aurais aimé que tout le monde répète après moi juste deux, trois mots pour justement avoir une pensée pour Haïti. Peuple haïtien, bye pays nous en chance. Politiciens, bye pays nous en chance. Malfaiteur, bye pays nous en chance. Malparlant, bye pays nous en chance. Bye pays nous en chance. Bat bravo pour tête nous. Alors, je dis à l'état du bal, pas vrai. Well. Hey, aïe, nous gagnons des petits pays. Baptiser la belle des Antilles. La charge est pas grave dans la rue. Politiciens nous mettent des mentiers. 365 jours dans l'année. N'a pas demandé où taxi qui sait. Situation en tout cas débloquée. Quelqu'un change une cop caribé. Ouais! Allo? Nous on est en paix. Ensemble. À Paris, contre la de New York, Miami, quelques années après réaliser, la guerre est toujours pas ici. Mais ça, y'a pas de diaspora, non. Après la ici, y'a pas de ça, depuis vous nous payez, mais en bas, vous y prenez un peu la bande de papa. Et puis la fin, on peut pas. Ouais! Hey! Alors, ben, pas ici, ma boule est casée de l'immat. Tout le monde est la vie sa patte. Réfléchis à vos rachis. Oui! N'est-ce pas?
La belle en pompe à José à la rue. Ouais. Alors pour maintenant c'est 55 vidéos. Ils vous mènent pas les nous-mêmes. Mais vous mènent dans ça. Le film dit A et bien vous êtes B. Ah ouais, pour arriver. Aïe, aïe. Chantal, Chantal. Messieurs, dames, la société, tu chutes à parler, qui ça nous fait n'a payer. Oui, c'est allez, pour mobiliser là. Il se passe chuter la poule. Oui, 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 ouais, ouais, ouais. C'est juste. Mais l'imam m'a poussé tout ma coque. Comme si pas de vie. Comme la gare d'Azio. C'est la gare. Oui. La gare d'Azio. Joué la gare d'Azio. La gare d'Azio. C'est un président. Ouais, ouais, ouais. C'est juste. Aïe, aïe, la société m'a déboulé beauté. Beaucoup de responsabilité. Mais ça problème, non, oui. Acceptez. Eh ben nous-mêmes. Oui, oui, oui. Haïti shame now. Toto y met à ce palais, t'as doué, non. Donc ça a changé. D'ailleurs, vous allez mettre à chanter deux, trois phrases, c'est pas compliqué. Regardez ça. Ça va bon. Quand le cas est brisé, ça va bon. A vous. Ça va bon. Quand le cas est brisé, ça va bon. Est-ce sorti l'entraîné. Sous l'ayon belle mère. Pendant la pleine. La main est compacte. Pour tout couler. Oui. Mes amis. Mes aïeux à la sauce. Grenadier comme j'en vais tout même bigou. Oui. On va chanter encore une fois, avouez. Avouez. Aïe, 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 aïe. Ça va bon. Si c'est comme casse de brise. Ça va bon. Y'a pas qu'on fait, y'a besoin de faire. Ça va bon. Aïe, qu'on fait, fait. Ça va bon. Messieurs dames la société. On fout du shit à parler. Qui ça nous fait la payer. Aïe aïe aïe. Allez la poule mobilisée là. Qui se fout de la poule. Si on te cague l'idée. On te cague l'idée. Ouais. Zobé pépé. Cade ta paye. Faut ça changer, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est tout, 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 tout. Merci, merci, merci. Bicoul, Bicoul, mesdames, messieurs, c'est un plaisir d'accueillir Bicoul. Je vous demande encore d'applaudir Bicoul, s'il vous plaît. Ok. Bon. Est-ce que nous sommes tous contents là aujourd'hui? Oh, madame. Est-ce que nous sommes tous contents là aujourd'hui? Oui. Je remercie nous d'abord. Peut-être un seul bagaille. Malgré la pluie à tomber, mais nous aimons le pays. Non. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons amour pour la caille. Malgré Jean-Christ et la caille, Jean-Circonstance, mais nous sommes toujours solidaires pour nous collaborer ensemble. Ok. On va aller plus loin. Il faut qu'on dise pour nous venir là aujourd'hui, hein, mesdames, messieurs. C'est parce que il y a pas mal de personnalités très importantes dans la communauté qui aident nous pour nous réaliser le programme ça aujourd'hui. Hein. Un programme pour nous chita, pour nous parler, pour nous réfléchir ensemble. Donc, un pile intervenant qui peut venir là. Il peut le dire ça, il peut le dire. Mais parole pas nous. Après eux-mêmes, parole pas nous, important en pile.
Nous avons un message, je dis à nous pas le voyer en Haïti. Nous pas le voyer message ça. Parce que nous sommes tous expatriés partout dans le monde entier. Mais c'est quoi nous qui dans tout notre pays dans le monde là. Mais esprit nous. Qui est-ce que nous voulons le en Haïti. Est-ce que nous sommes contents là aujourd'hui? Applaudissez-nous s'il vous plaît. Eh bien, tout de suite, nous faisons place et nous faisons appel déjà à Madame Gerdy Paul. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez Madame Gerdy Paul, Madame Hibiscus. Et tout de suite, c'est Madame Mivine Altidor. Avancez Madame Mivine Altidor. Je vous demande d'applaudir très fort Madame Mivine Altidor. Et sans oublier Madame Naomi Jean-Baptiste. La star de la communauté. Notre icône de la communauté. Voilà, et les cinq personnes présentes ici, qui en quelque sorte avions l'idée d'organiser cet événement aujourd'hui. C'était pas moi, c'était pas lui, mais c'était nous, en quelque sorte. Il y a beaucoup d'autres personnalités qui ne sont pas présentes pour le moment, mais que nous pensons à eux, peut-être par rapport à la pluie, elles ne sont pas encore arrivées. Voilà le staff organisationnel de cet événement, d'aujourd'hui, que je vous demande encore de les applaudir. Merci, merci, merci beaucoup. Eh bien, je remercie déjà merci, mettez-vous un moment. Où mettez Chita, nous parlons pas là, vous. Tranquille. C'est Haïtien qui l'a posé. Et puis, nous bien contents tous, c'est publiquement demandé ça, c'est pas nous qui avons posé. Parce que, pas oublier, nous avons un pays en France. La langue officielle, c'est le français. Donc, que l'on veut non, Haïtien comprendre français. Haïtien parle français. Et nous avons deux langues officielles, là. Nous pas fait. Nous pas fait. Il y a les français et les créoles, là. Débat a commencé, nous pas fait discussion langue. Haïtien mande créole, et puis n'a pas créole. Et puis nous fini. C'est pas ça lié. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez. Ok. Merci. Donc, également, j'ai testé pour essayer même pas parler créole. Vous avez fait. Par contre, nous saluons quelques amis dans la salle là qui sont très importants pour nous, la communauté. Auriol Gilbert, et émission 360 degrés dans Radio Caribbean FM. Abonnez-vous dire tout de suite, obligé, ouais, PDG Ségouchal. Ségouchal. Et puis, c'est un monde qui aide nous à réaliser le programme ça aujourd'hui à Ségouchal. Applaudissez Ségouchal, s'il vous plaît. Ségouchal, merci. Pour vous, merci pour le sport. Parce que monde qui parle nous. Ok. Merci pour le sport. Ça me dit que monde qui parle de citer nous, mais aujourd'hui, depuis là, la météo à nu. Ronald Aude aussi, ou même qui était campé là, ou même campé pour vous toujours. Mais qui dit nous parler là, ok. Applaudissez pour nous. Émission 360 degrés. Et, là, salut. Toutes les médias, en principe. Radio RTU avec qui dit Radio Triomphe Universel qui parle là. Elle me dit qui parle là, mais qui bat collaboration. Donc, Enoch Eliassin, nous profitons de saluer Radio Pano qui c'est RSI Radio Sud International. Et le PDG est Antoine Misère ou bien Maurice Misère. Il y en a qui font un peu le tour dans la communauté. Hein. Et nous pas oublier Radio Aquinoise. Oui, Radio Aquinoise avec. Destin Keshmi et Patrick qui l'a levé mon bureau Patrick qui l'a qui font pile bagaille aussi dans la communauté hein. Nous saluons aussi Radio Fanfan Musique et nous saluons Télévision H Live et c'est un gros monde qui aide nous pour nous réaliser ce qu'on a réalisé aujourd'hui avec la communauté hein. Oui, laisse à fond citer non madame Nathalie ainsi que monsieur Jordani. Donc, c'est Mounsayo qui vraiment met ton spot campé là, qui roule gratis, si chéri, parce qu'il estime que ça n'a fait la communauté. Là, c'est son bon travail. Son bon travail, que ont collaboré. Et encore une fois, monsieur et madame Jordani Fortuné, un grand remerciement. Non, nous n'avons pas capable de saluer tout Chester, Chester Jacques. Le et toutes belles bagailles sont là, décoration. Après, association Hibiscus. Donc, capable de dire que c'est Chester qui fait. Applaudis Chester, s'il vous plaît. Chester, levez mon bureau. Okay. Chester, merci. Merci.
Et bien, nous disons tout le monde, tout ça qu'a fait là, pas grand monde qui saute dans la poche, nous, c'est tout le monde qui porte en participation. Nous n'avons pas de sponsor, nous n'avons pas de monde, nous n'avons pas de secteur privé, pas de monde qui veut nous faire ça, nous fait là. Pas de personne qui la donne. Mais nous avons venu nous faire nos plaisirs parce que nous avons besoin. Là, nous pensons que nous avons doué, mais ce n'est pas grave. Parce que nous avons fait un bagaille pour nous marquer et pour marquer la communauté, marquer un événement. Donc voilà, nous avons profité aussi pour nous saluer tout artiste. Tout artiste qui t'a aidé nous. En particulier, madame, si je me permets, Fabiola. Artiste Kébissou. Kébissou qui était là dans ce spot-là. Josué. Ah, Mister Josué, nous ne pouvons pas penser à lui. Grégoire Chéri. Grégoire Chéri, et puis. Manuela, la belle Manuela. Belle Manuela. Française qui était venue, qui vient participer avec nous. Et mon puis citoyen, nous... tout Robert Martial. Robert, ouais, Bob. Ancien Bob. Maire Fondeneg. La Miss. Et la Miss, exactement. Qui était là avec nous. Artiste Bicoul. Bicoul, tout à fait. Mm-hmm. Et puis nous, un grand homme, dans, et nous pensons avec lui, nous gagnons Christian Dor. Nous pas pas passer avec Christian Dor, c'est Maître Causea, même quand on pourquoi elle là, mais la c'est lui-même. Et mais Radio Espace FM avec Jean-François Saint-Louis, monsieur Edenois Pile dans Télé Anti et puis Espace FM pour te battre nos possibilités pour faire nous mêmes nos événements ça aujourd'hui. Hein. Nous gagnons Focus TV qui là tout et Milieu des Sources qui okay. Est nous en pile depuis le premier jour qui travaille dans coulisses avec nous mais qui toujours ensemble avec nous et gagne les associations. Tant Hibiscus, oui, Madame Gertie Paul. Oui, tant qu'on APA. APA. Et ouais. Tant qu'on les Frères Unis avec Calix. Font-ils lever mon bouillon, ouais. Ok? On s'est aidé nous en pile pour nous réaliser ça que nous prenons réaliser là. Ouais, nous gagnons ensuite Fediga, ou l'autre association, APDH. Fédération APDH Gérald Saint-Jean. Saint-Jean. Qui aide nous pour nous réaliser ça. Aider nous, Roman. Donc, voilà. Et si quelqu'un n'a pas cité pour le moment, mais au fur et à mesure, n'a pas cité parce que nous connaissons plus monde qui est très anxieux, il a mis entrer, puis il y a quelqu'un qui vient chercher qu'on est à gain. Il vient chercher qu'on est à gain. Savé Creole 609. Carline Irantus. On est à coup Basile, Peggy, dans le coup. Peggy Basile, mes amis, applaudis Peggy Basile pour moi, s'il vous plaît. Même elle pas là, parce que. Même quand elle pas là. Sauf que Robins Boté Divine qui a organisé la semaine dernière, c'est Gauchal, c'était modérateur. Bon, bagay, nous ne pouvons pas dire ça. Si le fait pas bon, tout nous dit le pas bon. Mais si le bon, faut dire le bon. Mais. Professeur chéri, vous comprenez ça me dit tout le monde aujourd'hui, hein? Communauté haïtienne, non plus divisée que les gens qui vivent en Haïti. Est-ce que vous entendez bien ça me dit là? Tout le monde besoin de paraître tête chaude devant pour quoi? Tout le monde besoin de faire l'argent pour quoi? Possibilité nous pour nous vivre ici, si nous sommes en Haïti, nous ne pouvons pas venir là. Si nous sommes ici, nous avons l'école pour y aller. Yo jeune manger pour yo manger trois fois par jour. Mais nous capable dire ça me pas dire le café nous fâché, le café nous pas content. Même dit pour tout le monde. Dit pour petite pam, dit pour petite pao. Nous t'a dit si possibilité ti moun. Attention téléphone yo s'il vous plaît. Mes amis s'il vous plaît. OK. Mettez nous sous silence. Si chaque ti moun qui en Haïti yo te joindre possibilité ti moun ici ou te joindre ou t'ap gen tout ti moun yo t'ap ingénieur avocat médecin et architecte on paquet de bagaille mais malgré ça nous senti nous manqué bouger parce que nous pas collaboré nous ensemble je dis à nous vinn là pour nous parler pour nous dire mais ça nous ouais pour intervenir on dit mais j'en comprendre crise là en Haïti. Mais je comprends le problème dans Haïti. Mais qui signale nous capables de voir les gens qui vivent en Haïti, la communauté internationale là. C'est ça, nous avons chita ensemble avec eux. Mais, c'est pas, comme je dis, non, professeur, ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons pour le faire. C'est nous toute voix ça qui l'a, je dis, hein, nous parlons de possibilité pour nous parler. Parce que nous, là, nous avons dit, nous commencé à midi pour 20 heures. Mais, si le problème technique fait, nous avons commencé. À 14h, on a fini à 20h. Par contre, tout le monde parle de possibilité pour vous parler en dans salle là. Merci, Louis Kafrans. Franz, dis-moi déjà, pour qui ça nous fait, si on compte ça, je dis, c'est parce que nous estimons que nous-mêmes, diaspora, en France, là, nous manquons de bouger, ou bien nous manquons de temps de nous. Là, vous parlez plus de diaspora aux États-Unis, ou bien diaspora au Canada. Donc, alors que nous-mêmes, nous sommes communauté, tout, on a bougé, mais
yo manqué tant de nous. Tandis que nous informés, mais nous connaissons les principes pour nous faire. Moi-même, pas dans la politique. Ou pas dans la politique, les gens enterrement, y aurait le haut. Les gens mariage là, y aurait le haut. Les gens maladie, c'est vous-même. Femme kaye la, bout, c'est nous-mêmes. L'école à pouvoir, c'est toujours nous-mêmes. C'est-à-dire que n'importe ça gagne, c'est toujours nous-mêmes. Mais, gardez ta pays nous. Tout comme nous gagne, nous voyons en bas. Mais pour que j'aime voir, on va gagner nous tout. Je ne sais pas même beaucoup de jeunes. Même dans mes pays bon pour ne pas voir, et puis si j'ai un problème tout, je vais avancer dans nous là-bas. C'est peut-être ça nous dit que l'important de faire communauté. On frange, nous disons frange parce que c'est un collectif qui a organisé ça. Nous connaissons l'autre monde tout qui va venir. L'autre monde qui t'a organisé. Ça, c'est son premier. Peut-être un deuxième va le faire dans l'autre groupe. Un troisième va le faire dans l'autre groupe. Et puis après, nous avons fait un seul gros bagage ensemble. Côté que nous avons gagné une seule résolution. Mais après la conférence, ça, je ne sais pas si nous allons débattre là. Après, il faut qu'on document écrit. Il faut qu'on résolution. Pour qui ça nous déchita, qui ça nous dit. Donc, normalement, c'est ça qu'on a là. Une équipe qui est déjà là, mobilisée, pour tendre ça, nous disons, pour qu'elle transcrit. Et puis, après, nous connaissons ça en archive. Ça nous a acheminé dans l'Assemblée nationale. Bah, qu'on est d'Haïti, ou en France, ou bien dans le consulat, ou bien dans le ministère des Affaires étrangères, ou bien au Palais national. Pour dire, tendez, voir nous ici. Nous dit payant, pas qu'à arrêter comme ça. Quel c'est l'opposition, quel c'est le pouvoir, mais et nous-mêmes qui dehors, nous besoin d'entrer. Même de ça, m'a prouvé l'empile, nous avons acheté billet, nous pas qu'à aller. En plus, nous avons posé question. Nous qui pouvons aller, c'est brave, pas de problème. Mais il y a des gens qui ont dit, bon Dieu, comment on a fait? Donc, il dit, nous avons mis la paix en Haïti. Pour qu'il y ait la paix en Haïti, c'est le président qui a fait mandat pour continuer à faire mandat. Si le même dit pas pour faire mandat, pour dire ça, l'a fait. Parce que c'est le président, il faut le mettre, c'est une non, Taïli. Qu'on y a pour payer. Bouger et puis connaître. Bon, l'essentiel, c'est nous-mêmes qui pourrons connaître. Comment nous, crise là? Parce que nous disons diaspora, c'est la première question posée. Première question posée, quel rapport ou bien quelle responsabilité incombe à la diaspora haïtienne? Quelle responsabilité diaspora a gagné même dans chercher solution pour le pays d'Haïti? Nous-mêmes, nous avons une solution pour nous, tout bon ici. États-Unis, Gépal, Chili, Gépal, Brésil, Gépal, Martinique, Guadeloupe, Gépal, Saint-Domingue, Gépal, mais nous-mêmes en France, qui ça nous gagne? Est-ce que ça nous fait valable pour toute communauté? Non. C'est juste pour un collectif, pour une frange. C'est ça. Et puis, sous le premier thème, non? Deuxième thème, nous avons bien tout. Mm-hmm. Et c'est intervenant qui parle sous lui, ensemble avec nous. C'est comment expliquer la crise haïtienne? Le président Jovenel Moïse doit-il partir? Si oui, quelle en sera l'issue? L'issue. Voilà. C'est ça. Ça va le faire débat. Ça va le faire débat. Nous ne pouvons pas. Mais nous pas connaissons ça. Exactement. Mais nous-mêmes, c'est Wall nous avant. C'est pour ça qu'on réunit aujourd'hui. Nous connaissons pour ça, Réunit. La deuxième question est là. Ok. Ça chauffe. Pas de problème. Pas de problème. Nous allons débattre ensemble. Bon. Ok. Et professeur, je reprends le premier thème pour nous encore. Le premier thème, quelle responsabilité incombe à la diaspora haïtienne à la recherche de solutions à la crise haïtienne? Nous dit que qui Wall diaspora n'en chercher solution pour le pays d'Haïti dans la crise de la nous-mêmes, qui importance nous gagne, comment nous voulons, comment nous comprenons. C'est ça, nous allons débattre déjà. Ok, et deuxième thème, non, c'est comment expliquer la crise haïtienne? Le président Jovenel doit-il partir? Si oui, quelle en sera l'issue? Et en plus, je dis en tout, nous parlons de mariage entre médias avec médias. Médias Haïti et puis médias. En France, nous-mêmes, Loukodési, tu as supposé venir là, mais crise politique là, dans le pays, fait ambassade de France fermée depuis quelques semaines. Mm-hmm. Et il n'y a pas délivré visa. Tout rendez-vous, nous avons un programme qui était supposé faire hier, Noisy-le-Sec, et Atis pas qu'à venir, pas de visa. Et je dis encore, nous, Loukodési, nous avons annoncé lui-même dans l'interview que moi-même, Doris K. France, personnellement, tu es avec lui en Haïti. Il te dit oui, la plat. Mais il n'y a pas de connaître qu'il y a des balles visa pour le venir. Malheureusement, M. Bakala. Mais, non, Timon, après, les bagailles ont bien commencé. En direct avec Radio Télé Éclair en Haïti. Et puis, nous-mêmes, tous, nous avons une question, nous pas le poser avec Radio Télé Éclair. Et puis, avec Loukodési. Et Loukodési, tout, il y a une question, nous pas le poser ça là, tout. Est-ce que nous comprenons ça qu'on fait là? Est-ce que vous comprenez bien samedi? Ok. Ça veut dire, ça qu'a fait là, c'est pas pour nous, même diaspora seulement. La fête.
Haïti a suivi. Président Jovenel, il compte programme dans jodi an. Opposition compte programme dans jodi an. Tout le monde net compte programme ça et m'a dit non, m'a pas assurance. Jita non jodi al pas programme ici. Merci tout le monde. Bon, et nous faisons appel tout de suite à, au premier intervenant. Non, il dit monsieur Créole, lui pardon. Par contre, un petit bagage, il faut que nous expliquions. Oui. D'accord. Et on a fait appel à monsieur Marc-Henri Siméon, que je vous demande d'applaudir. Applaudissez, s'il vous plaît, Marc-Henri Siméon. Monsieur a un master en didactique, dans la langue du côté de Sorbonne. Il fait études spécialisées tout en éthique et en droit ecclésiastique. Pour le moment, il continue toujours dans le doctorat dans l'Institut catholique de Paris. Et puis, il fait une thèse sur droit, liberté d'enseignement. Et puis, il y a un livre qui va paraître très bientôt là, dans C3 édition à Port-au-Prince. Et il propose dans l'ouvrage ça, une analyse de médiatisation et de religion en Haïti, des faits religieux en Haïti. Donc, mesdames, messieurs, monsieur Marc-Henri Siméon. Sur votre applaudissement, s'il vous plaît. Eh bien, n'apprécie voir monsieur Ricardo Pasteur Matalbert. Avancez. De ce côté. Et Pasteur Ricardo Matalbert, c'est fondateur du groupe de réflexion Think Tank, fait de Haïti un paradis sur terre. Pasteur et théologien, président et fondateur de l'Institut biblique et théologique de Paris, journaliste et entrepreneur, gérant de la société d'édition Les Éditions. Applaudis Pasteur Matalbert, s'il vous plaît. Merci. Et tout de suite, nous faisons appel à monsieur Eric Sauré. Applaudis pour monsieur Eric Sauré, s'il vous plaît. Né à Grand-Périn, il a une maîtrise dans le droit privé, il a une carrière judiciaire à Paris 2, Assas, DEA, études de société latino-américaine, l'université Paris 3, Sorbonne, et puis doctorant en droit public. Docteur en droit public, c'est pardon. C'est fini. Et puis à l'université. Donc, et puis, mon Dieu, ici ma guettant. Formation professionnelle, barreau de la Cour d'appel de Paris. Son livre, monsieur Guéant. Juriste, conseil chez Natixis, Banque Populaire, 98-2003, associé, gérant de Dauphin Noir, édition 2004-2006, chargé de conformité à la Caisse d'épargne 2006-2011, avocat au barreau Val d'Oise, 2011 à ce jour, centre d'intérêt, poésie, théâtre, et puis politologie, auteur de 6 pièces de théâtre, dont. Silence, s'il vous plaît. 3 déjà joués. Choukoun 2000, Fort de Joux avril 1803, Toussaint l'ouverture face à Napoléon Bonaparte, 2003, Claire et Heureuse, vous comprenez ça, Catherine Flon et Défilé, les trois femmes les plus puissantes d'Haïti, 2018, chargée de cours à l'Université de Paris 13, monsieur Eric Sauré. Applaudissez s'il vous plaît, monsieur Eric Sauré, une personne importante pour Haïti même, je ne dis pas la communauté haïtienne de France, mais pour Haïti. Ok. Et tout de suite encore, on apprécie au revoir et monsieur avocat. Est-ce que Bélia là, non Bélia, oui, avocat Bélia, Valérie, oui, il est là. Ok. Monsieur Valérie Bélia, s'il vous plaît. Avancez Valérie Bélia, s'il vous plaît. C'est un juriste, avocat du barreau de Port-au-Prince, doctorant en droit de l'homme à l'université Grenoble-Alpes, membre des contributeurs à l'Observatoire des camps des réfugiés, OCR, Paris, responsable des affaires. Applaudis Valérie Bélia, avocat des métiers, des professions. Et n'après-le tout de suite, quand il y a quatre garçons chitants, puis pas gain. Pas conforme. Pas conforme, là ça veut dire. Nous ne pouvons pas faire des choses comme ça. Non. Non. Donc, n'a fait appel tout de suite à madame Marie Loupdi Chardavoine. Applaudis, femme, là, s'il vous plaît. Juriste, cybersécurité, TPE,
PME, chef d'entreprise dans le textile, présidente, fondatrice de l'association Haïti Europe Autrement Solidaire, qui œuvre aux côtés des primo arrivants et dans les démarches administratives, le cercle des guises de la diversité qui est un think tank. Voilà, mesdames, messieurs, Marie Loudi, le décor est planté. Donc, nous avons 5 personnalités avec nous qui pourraient commencer le débat. Pour le moment, pas bien, nous avons un deuxième panel après, mais là, nous avons 2 heures de temps réellement pour nous débattre question qui est importante. Mais chaque monde là a une possibilité entre 10 à 15 minutes pour faire un petit exposé de ça et quoi parler à y a tant de public là. N'est-ce pas, Louis Lafrance? Oui, c'est ça, parce que deuxième panel là, là non plus grand panel côté que vous parlez, fait nous comprendre des thèmes ça. Diaspora, Wolio, comment nous capable contribuer dans ce qu'a fait en Haïti hein? Et nous-mêmes qui sommes ici, comment nous comprenons ça? Après, nous avons fini dans le bagaille. Permettez-moi l'expression que je me toujours dit moi-même. Nous allons entrer dans le senti dur après. Donc, c'est vrai politique pur. Là. Fin, quand nous allons déjà, nous allons connaître comment nous allons discuter. Parce que les pays qui ont un problème, ce n'est pas dans la rue seulement pour nous chercher une solution. Il faut aller dans l'université d'abord pour nous avoir des personnalités qui ont une bonne réflexion et puis pour nous côté de la solution. D'accord. Donc, comme nous avons commencé toujours de gauche vers la droite, donc, M. Marc-Henri en premier, et puis tout de suite après, et M. Valérie, et puis M. Sauré, pasteur, ainsi que Mme Chadavoine. Mesdames, Messieurs, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Je peux saluer tout le monde qui est là dans l'espace de réflexion, ça, qui répond à l'invitation des Bachots et puis Biscus avec tout partenariat que je remercie tout. Je remercie l'autre panéliste. Et je fais un gros exercice puisque et au départ, je me dis que on bagaille qui est fait pour Haïti, pas obligé, mon bagaille qui est fait entre Haïtiens seulement. Ça veut dire que nous avons besoin que voient nous aller au-delà de sphères qui concernent nous. Mais bon, comme vous m'avez demandé pour ne pas parler créole seulement, donc nous allons parler créole seulement. Donc nous allons essayer de traduire, penser nous, dans la langue créole là. Nous pensons que nous avons essayé de faire, même s'il n'est pas facile, mais nous avons essayé de faire. Donc, je vais préciser 3 bagailles tout d'abord sur l'intervention maintenant. C'est que l'intervention maintenant a touché un aspect dans la première question qui concernait la responsabilité diaspora. Je vais regarder avec nous qui enjeu crise qui est capable de concerner la diaspora particulièrement. Et puis, pour ça, dans un premier temps, je vais essayer de proposer quelques critères pour nous définir ça les diasporas, parce que nous dit nous c'est diaspora, nous dit qu'on diaspora haïtienne, est-ce qu'on diaspora haïtienne existait vraiment, ou bien est-ce que nous devons parler des diasporas haïtiennes, et penser que dès le départ nous comprenons ça. Donc il n'y a pas une diaspora haïtienne, mais des diasporas haïtiennes à l'intérieur de on et ensemble que nous capables de un phénomène diasporique qui concernait haïtiens qui dans divers pays. En France, aux États-Unis, etc. Et si nous regardons à partir de critères, ça, nous voyons que toute diaspora ça n'a pas interagi avec le pays d'origine, yo, même gens. Nous allons proposer 3 critères et nous allons ça ensemble dans le débat, dans la discussion. Yo. Et puis, dans le deuxième temps, nous allons entrer vraiment pour regarder quelques éléments qui ont touché la réalité crise haïtienne. Non, nous allons la conjoncture. Parce que crise haïtienne, nous dit crise haïtienne, non, mais son crise plurielle. Comme on parle créole, mais son crise plurielle qui manifestait à chaque fois, une résurgence de la crise à chaque fois, mais qui vit sous des formes différentes. Mais il y a des problèmes fondamentaux de base qui ne vont jamais résoudre depuis la première grande crise que nous avons connue avec la crise de 1843, avec le départ de Boyer. Donc, et puis après Boyer, il y a des gens qui ont dit, par exemple, qui côté le bralé,
tout pour tout dire nous ça, on va pas toucher question ça yo, mais m'a juste dit seulement que après Boyer, on parlait du boyérisme sans Boyer. Donc c'est-à-dire que nous avons fait que répéter les mêmes choses et puis c'est pour cela que à chaque fois nous sommes obligés d'avoir les mêmes revendications. Et puis donc voilà, ces deux éléments ça yo non et que intervention n'a pas touché. Premier bagage, nous capables nous connons toutes là qu'on est que on diaspora c'est en population dispersée qui pas dans terre natale et qui dans un premièrement garder de liens durables entre membres différents membres qui concernés et ensemble dispersés ça et puis qui ont un sentiment d'appartenance collective qui dit nous c'est haïtien n'a vive tel côté mais nous c'est haïtien et gen nan moun sa yo qui pas même te fait dans pays a mais yo toujours revendiquer identité ça nous c'est haïtien et puis dernier bagage c'est la mémoire du territoire d'origine. À partir de trois bagages, ça, nous avons trois critères que moi t'ai dit que nous allons poser ensemble. C'est le critère de la dispersion. Nous allons parler de diaspora, le dans le même territoire, nous allons entrer dans dynamique d'exode, de migration interne. Nous allons parler de diaspora, de migration interne. Et là, nous allons parler de nos questions géopolitiques plus profondes. Pour me poser question, par exemple, est-ce qu'un Français capable de diaspora en Grande-Bretagne? Bon, comme nous avons un Brexit, nous capables de dire ça, mais est-ce qu'un Français capable de diaspora en Italie? Parce que la constitution européenne définit une réalité qu'elle relaie la citoyenneté européenne. Donc s'il existe une citoyenneté européenne, est-ce qu'un Français peut être diaspora en Italie ou en Grande-Bretagne ou en Allemagne? C'est une question. Nous capables de dire, nous ne pensons pas qu'on nous va le rester sous lit parce que le pas concerné particulièrement ça qui est sujet pas nous. Même dit ça pour essayer d'illustrer ça me relève diaspora, dispersion diasporique là. Deuxième critère qui définit en diaspora, c'est le maintien durable d'une forte conscience communautaire. Au début, tout à l'heure, nous t'étendais Doriska qui t'a dit que nous trois désunis. Est-ce que nous pouvons parler d'une vraie conscience collective, une vraie conscience communautaire qui définit, qui caractérise ça nous et les diasporas haïtiennes? Et c'est là que la question m'était posée au départ, là, vient prendre tout sens. Est-ce qu'il existe une diaspora haïtienne? Ou est-ce que la diaspora haïtienne est une réalité à construire? Ou encore, est-ce que une tension entre une réalité qui doit grandir, qui doit développer pour prendre tout sens? Et puis, conscience collective, ça, faut distinguer de toute conscience communautaire, ça, de tout communautarisme, mais c'est plutôt une conscience que nous tous ensemble, nous avons appartenance culturelle commune, et puis nous avons lien d'origine, originaire commun. Et puis deuxièmement, c'est une conscience que nous partageons de bagailles qui constituent nous, qui définissent nous, qui c'est nanan nous, qui c'est entrailles nous. Et puis, dernier critère là, c'est l'idéalisation de la patrie commune. Bon, mais on sujet d'a fait deux heures de temps à parler de lui. Idéalisation de la patrie commune, non, c'est pas rêverie, c'est pas utopie. Mais c'est le fait que, par exemple, m'a vive en France, quel que soit côté m'a vive, haïtien, un ensemble de bagailles qui définit un rêve haïtien. Il dit, par exemple, Haïti, c'est telle liberté. Ça, c'est un élément de langage qui définit rapport haïtien dans sa mêlée idéalisation de la patrie commune. Même si je dis à nous poser question sur question, est-ce que Haïti, je dis, a toujours été en terre liberté, ou bien est-ce que nous avons soulevé question ça, je pense que moi, pour moi-même, parce qu'elle a toujours été en terre de liberté, même si les gens qui vivent là, ils sont capables de faire une mentalité servile. Et deuxième bagage, c'est que nous jouons dans le langage haïtien, c'est que Haïti, par exemple, c'est le premier peuple noir indépendant. Donc, c'est de bagailles, quel que soit coteau pour un haïtien, il a sauté ça à Baou, même s'il n'a pas jamais visité Haïti. Donc, trois bagailles, ça, on s'est dit là, on a souhaité une kembeyo, la dispersion. Et puis, deuxièmement, le maintien d'une forte conscience communautaire. Et puis, troisièmement, l'idéalisation de la patrie commune. Maintenant, pour m'aller plus loin, on vient dans le deuxième aspect que moi, j'ai parlé.
qui c'est aspect enjeu de crise qui capable interpeller nous jodi a. Là on parlait de diaspora et puis on a parlé de pays d'origine. Rapport entre diaspora et pays d'origine là capable définir en termes démographiques, li capable définir en termes économiques, li capable définir en termes politiques, li capable tout définir en termes culturel et religieux. On essayer prendre chaque élément ça nous pas prêter trop sur parce que m'a juste bail des clés 15 minutes pas suffit pour me faire une conférence, m'a bail des clés qui capable servir ensuite à la discussion au débat. Élément démographique là. Gain de bail par exemple qui définit croissance démographique en pays. Et youn là dans yo typiquement lié à ça la réalité diaspora. Premier bagage là c'est ça les croissance naturelle. Ça veut dire l'on prend quantité population qui vivent dans le pays 31 décembre de l'année X, et puis on prend 1er janvier de l'année X plus 1, ou garder où est population ça soit augmenter ou bien diminuer. Si l'augmenter, il parlait de croissance démographique, de croissance naturelle, pardon. Et deuxième élément qui définit croissance démographique là, c'est ça relève le solde migratoire. Et c'est là que ça touchait diaspora. Par exemple, chaque année, de 1er janvier à 31 décembre, combien de monde qui quitte le pays à qu'elle vive l'autre côté, soit provisoirement, soit définitivement. Et je tiens à penser que question ça a doit interpeller nous comme diaspora. Est-ce que moun kap pati yo interpeller moun kap dirige nou yo? Est-ce que moun kap dirige nou yo prend conscience que moun kap pati yo c'est de compétences pays a perdu, c'est de main-d'œuvre qualifiée parfois en général que pays a perdu. Parce que m'étant nos président haïtien qui te dit son moun vin mande m job fò dim ki diplôme ou gen. Pourtant même président ça pa gen diplôme. Ça c'est premier bagay. Deuxième bagay, même haïtien ça ou dit s'il vin mande ou job fò di fò di ou ki diplôme lien, hein? Le rive non l'autre pays côté le parti là sans diplôme li jwenn travail la fait. Ça veut dire que chaque pays définit rapport ak citoyen yo pour yo di ki ça m besoin moun pour me faire. Si nous avons des actualités en France, je dis, n'a pas qu'il y a défini, je dis, immigration en l'autre gens. Il y a commencé à dire, mais question main-d'œuvre, quel type de main-d'œuvre nous besoin pour nous favoriser, moun sa yo vini? Il y a de l'autre monde qui a de qualification que nous pas besoin, eh bien, nous pas limiter entre eux sous territoire, nous. Ça, sont prérogatives importantes pour un gouvernement qui définit exercice souveraineté, qui sont prérogatives et non, pouvoir régalien. Yon gouvernement, yon l'État qui a gagné. Donc, sous pas contrôler les gens qui la caille, vous avez dit exactement combien de gens qui la caille, combien sorti sous territoire de 1er janvier à 31 décembre. Donc là, aucun problème. Par exemple, si m'te gagné, ma prends un exemple bien simple sous question enjeu pour nous-mêmes, diaspora, que question ça a gagné. Ma parlé avec un ami récemment qui a pour une fonds spécialité dans la cardiologie en France. Et l'album chiffre quantité cardiologue qui gagne dans le pays a pour environ 12 millions d'habitants, s'il pas plus, saisi, pas surpris, même saisi quand même, que pas 10 cardiologues dans le pays a au total pour tout haïtien qui vivre dans le pays a. Donc ça veut dire que l'on fait un AVC, il n'y a pas un spécialiste qui pourrait intervenir sur lui tout de suite. Parce que pas au moins un spécialiste par ville, par département, pardon. Ça veut dire que sous divisé moyennement ou pas un cardiologue pour chaque département en Haïti. Parce que nous avons 10 départements, nous n'avons pas 10 cardiologues spécialisés. Donc, est-ce que l'État gardait par exemple combien de jeunes médecins qui obligés de quitter le pays à aller à l'étranger, qui fait de spécialité dans la cardiologie, mais qui n'ont pas décidé de tourner dans le pays? Parce que les conditions n'ont pas réunies. Il y a deux jeunes médecins, par exemple, qui forment Cuba, dans l'époque, l'homme de l'université de l'État d'Haïti, dans l'école normale supérieure. Là, ils ont tourné, ils ont fait 2 ans à demander l'État, bon bagaille pour me faire pour vous, l'État pas occupé. Le Sahara, il y a un pipi fort là-dedans, ils ont tourné à vivre dans l'autre pays. Donc, mais il y a un élément qui constitue la diaspora noire. Est-ce que nous connaissons, par exemple, au début de la dictature des Duvalier dans les années 60? Pif intellectuel que vous avez combattu, il a été le Kamoukin. Je me suis dit, dernière semaine, ça, y a un intellectuel haïtien qui est le Jean Foucan, qui a écrit pour faire éloge du valérisme, qui est le catéchisme de la révolution du valérisme.
Duvalier définit trois catégories gabokin. En catégorie qui c'est moun qui compte li k'ap combattre li, en l'autre catégorie qui c'est moun qui compte li mais qui peut pour le pas tuer ou qui met habillement Duvalier ris sou yo. Et puis en l'autre catégorie qui c'est duvalierisme mais qui c'est de faux duvalierisme parce que yo pas convaincu. Donc depuis yo suspect ou seulement ou ta nan une catégorie sa yo ou déjà condamné à mort. Donc pi fort intellectuel qui était dans pays a quitté pays a dans les années 60 à vivre à l'étranger. Et à l'époque c'est l'époque des indépendances en Afrique. Donc ou gagnait UNESCO les États-Unis avec Canada pour limiter entrée intellectuelle yo la caillou parce que faut ne pas toujours prendre pays ça yo pour idéaliser yo. Pendant 29 ans dictature du Valéry's là, les États-Unis étaient le principal appui et le principal allié de la dictature, support de la dictature. Donc des fois nous idéalisons pays ça yo, mais ouais, rapport nous avec peuple américain sont l'autre bagaille. L'un dit par exemple, nous pose problème l'état français, nous pas poser problème peuple français, on pas problème avec peuple français, on pas problème avec peuple américain, mais la politique étrangère de ces pays à travers leurs dirigeants peut nous interpeller. Donc, les États-Unis et le Canada a diminué, fermé maintenant, et puis l'UNESCO proposait pour que y faire intellectuel ça ou en Afrique, à former une jeune génération africaine. Je crois en pile étudiant africain, dont papa yo, te gagné un professeur haïtien à l'université, par exemple. Donc, moi prends élément ça, et nous t'as qu'à prendre par exemple élément économique là. Je vais rapidement dire un petit bagage sur l'élément économique là, parce que je ne peux pas arrêter trop, je vais sur 14 minutes. Je pense qu'il y a bon, au moins 2 à 3 minutes pour me finir. Ou bien 11 minutes. Ah là là. D'accord, bon. Je ne peux pas quitter l'élément culturel et religieux, je prends seulement l'élément politique là. L'élément économique là. Je vais même arriver dans l'élément politique là. Diaspora haïtienne, là, nous tous là, nous au courant de poids que le représenter économiquement. Par rapport, là, on fait comparaison quantité l'argent que diaspora vaut en Haïti avec et budget république là, nous gagnons chiffre. Mais le problème, non, c'est que l'argent ça, l'un voyil, qui j'en voyil, qui ça l'a fait? Nous voyons l'argent, bah, famille nous. Un. Deuxième bagaille, l'un voyil l'argent ça, famille nous voyil, bah, là, la lâche ton tennis qui fait aux États-Unis ou bien qui saute en France. Ça veut dire l'agence a transité en Haïti et puis il tournait en France encore. Il transité en Haïti, là, le Canada. Il transité à Haïti, il vient créer sa inflation monétaire parce qu'on a un paquet de monnaies étrangères, devises étrangères qui ont circulé dans le pays. Mais le regard des PIB, pays, ça veut dire quantité bien que le pays a produit par an, il ne correspond pas à la circulation de l'argent, ça qui dévalue la monnaie nationale là, et qui fait que quand il y a là, quand vous voyez 50 euros bah, au monde, ou vous voyez 5, même 50 euros à nos années plus tard, il ne pas vaut même bagaille là. Nous même nous comptons le nouveau et 50 euros bah, au monde, li changer li bal plus comme que ça le déconne bal avant. Mais là, on regarde les conséquences, yo grave. Donc, est-ce que par exemple, ma pour deuxième élément rapidement, pour rapport économique et politique. Je dis, par exemple, une critique nous tendait en pile dans les médias, c'est qu'on paquet de bourgeois, qu'on paquet de monde dans le secteur privé, qui aime les pays, qui a un monopole, qui a une série de bagailles. Mais est-ce que dans la diaspora, nous n'avons pas constitué tête nous en fort, véritable force économique pour nous rivaliser les gens? Nous pas dire que nous pas le tuer, nous pas le faire. Mais il faut une bataille contre ça. Si nous croisons les bras, nous restons seulement avec mentalité, nous ne tuons pas, nous ne faisons pas de bagages, nous ne pouvons jamais renverser ce système. Ça. Donc, moi pense que si nous cherchons dans la diaspora, par exemple, nous avons 5 Haïtiens, si nous mettons la tête ensemble, nous avons un capital financier qui vaut même 3 4 fois ça, nous avons un grand businessman haïtien. Donc, nous avons constitué de force, mais si nous avons agi de manière dissipée, dispersée, parce que nous déjà diaspora, mot diaspora veut dire dispersion. Qu'on y a là, faut nous jouer l'autre moyen pour nous créer le ralliement nécessaire pour devenir une véritable force et agir sur les facteurs de crise en Haïti, économique et démographique et tout le reste. Dernier bagage, m'a dit pour me finir, c'est que notre diaspora, moi t'as regardé chiffio, il y a environ, voilà, il y a environ 20%. Dans les Haïtiens, par exemple, qui vivent, et 12 à 15% dans les Haïtiens qui vivent en France, qui gagnent une qualification universitaire extraordinaire. Comment
qualification ça, compétence ça, ni professeur Sauré là, nous capables de mettre le service de pays, ça ne pas obligé quitter la France. Par exemple, nous capables mettre en place de plateformes de formation en ligne. Côté que Sauré, côté le Chita en France là, la Bayonkou en Haïti, ça ne pas besoin de déplacer. Donc, nous capables de mettre compétences nous au service de pays pour nous former jeunes haïtiens. Il y a un paquet de moyens qui existent pour nous participer, pour nous contribuer, mais vraiment, il faut reprendre conscience de ce que vous représentez, 30 secondes, messieurs, de la force que vous êtes pour vraiment agir sur le pays. Je vous remercie. Applaudissez s'il vous plaît, monsieur Siméon. Monsieur Valérie Béliard, à vous. D'accord, merci à notre confrère. Merci pour ces interventions. Alors, salue chaque grain de monde qui fait déplacement, chaque grain de monde qui quitte activité personnelle au Puyovin Jodia, fait y brasser l'idée ça ensemble avec nous. Et moi, je souhaite que, après toute intervention, vous montrez nous que vous comprenez et que vous êtes conscient de ça. Vous essayez de contribuer pour permettre que la crise à nous en Haïti, il m'a rejoint une solution avec elle. OK? Alors, face aux deux sujets qui nous ont été proposés, je vais faire une intervention très courte sur tous les deux, mais avec un plus sur ce qui concerne les crises haïtiennes. Alors, pour ce qui concerne la crise politique haïtienne, moi j'ai choisi de formuler mes argumentaires sur un sujet très précis. La crise politique haïtienne, résultante d'un État effondré, d'une élite en faillite et du néocolonialisme occidental. Qu'est-ce que j'entends par tout cela? Si nous voulons faire une mise en contexte de la crise politique haïtienne, de 86 à aujourd'hui, après le renversement de la dictature des Duvaliers, Haïti dirait, mes frères, consoeurs, t'es gon seul rêve, c'est que Haïti ça a libéré pour nous venir à Haïti côté chaque monde qui a joui des droits, chaque monde qui a joui de sa liberté. Mais t'es gon problème qui posait. Chaque monde qui t'a caressé rêve, ça y pas de comprendre que pour nous arriver à jouir des droits, ça y pour nous arriver à bénéficier de ça, et les libertés, ça y est, compris. L'élite haïtienne qui devrait prendre la commande, l'élite haïtienne qui devrait donner le ton, à mon avis, ne savait même pas c'est quoi sa responsabilité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé le choix de la politique entre les mains des militants, des ignorants, qui ne savent même pas c'est quoi la politique pour décider de l'avenir de cette jeune nation. Eh bien, la résultante, elle est claire. De 86, la crise persiste encore. Nous n'avons jamais eu une année scolaire stable. L'économie, de jour en jour, s'effondre. La société est divisée. Il y a une sorte de peur de l'autre qui grandit au jour le jour. Un père ou même ne va qu'à construire rien de grand. Aucun de projet de développement durable pour les 10 départements géographiques du pays. Voilà les résultats aujourd'hui. L'État qui, à travers la Constitution de 1987, prévoit très clairement la séparation de trois pouvoirs, à savoir le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et l'exécutif, ces trois pouvoirs, des 86 jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais pris en charge leurs responsabilités. D'ailleurs, ils ne savent même pas leur véritable rôle. Voir arriver à penser le développement d'une société. Voir arriver à penser l'Haïti de demain que nous tous nous rêvons. Du coup, nous pataugeons encore. Nous cherchons encore la voie. Mais pour la trouver, il y a une formule quand même. La formule est claire, c'est que nous devons prendre la voie de la scientificité. Nous devons penser Haïti autrement. Comment penser Haïti autrement?
Nous avons université l'État depuis 1914, l'ai fait là, jusqu'à jour et jeudi, qui pratiquement arrêté dans Port-au-Prince. Il y a des petites cellules de faculté qui apprennent 100 monde chaque année. Est-ce qu'on a qu'à penser en société comme ça? Il n'y a pas de résultat. Nous avons 10 départements, plus de 10 millions d'habitants. Séisme a une opportunité, c'est que nous passons ces îles. Pour nous repenser le pays de manière grandiose. Pour nous penser le pays de notre point de vue sur le plan moderne, pour nous mettre nous en diapason avec la technologie et le monde moderne. Mais ne pas faire ça. Nous supposons juste conscients de ça nous en tant que peuple et qui ça nous a offert aux yeux du monde entier. Parce que moi, c'est quoi? Nous avons fait dit chaque jour. Nous avons fait 1804. Et nous avons fait goumé pour 1804. Mais le patron a qui, non? Nous avons fait tout côté de passé, c'est qu'on a celle qui a répété. Nous avons fait 1804. Mais après, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons rien fait. Parce que, en indépendance, son point de départ lié, nous libérer du joug de l'esclavage. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour construire pour le futur des générations? Nous n'avons pas fait rien pour ça. Parce que nous n'avons jamais arrivé à mettre tête nous ensemble pour nous jouer un fond commun ça. Tout le temps, nous n'avons pas jamais sorti de la crise nous là. C'est ça que nous avons choisi à bord des crises là, d'une point de vue conjoncturel. Nous choisi pour me faire toute période là pour nous essayer de comprendre. Côté ni là, pas le faire du hasard. Parce que nous choisissons. Pour qui ça? Si nous avons déjà fait élection dans le pays, nous comprenons. Élection n'est pas jamais organisée de manière honnête dans le pays. Qui est le candidat? On est candidat pour magistrat, à peine il a signé dans le. Qui projet de développement qu'a fait pour une commune? Alors que dans tout pays sérieux, on maire, c'est lui qui pensait développement, politique de développement communal là. Ligon budget, c'est financement le besoin pour lui. Il n'a pas besoin que la présidence a fini de penser développement communal. Il n'a pas besoin de ça. On député, il est là pour légiférer, là pour contrôler les actions du gouvernement. Mais est-ce que la CAI nous est ça que fait? Mais la députée, c'est parce qu'elle a un discours, il a 10 gouttes, il a un monoplat de manger, il a payé 5 gouttes pour aller au vote. C'est lui qui a mouté en gang, c'est lui même qui a accès à le Parlement. Il n'a pas même comme ça à écrire un texte de loi. De plus. L'État mettait comme à disposition pour le point consultant, le patron a des vrais consultants, le point tisant 1000 pour le bail. Qui résultat obtenu? Nègre là pour le président, depuis le gain l'argent, le secteur qui a financé, il va au pouvoir, sans aucun projet de développement pour la société. Il n'y a pas ça du tout. Du coup, c'est comme si Mdaka dit nous, son monde, comme nous habitués avec Jardin Lacaille, qui plantait maïs et puis captain, il va le côté le jour après. Mais c'est comme ça que la société a fonctionné. Chaque monde nous vote, comme si nous avons un gombrou. Nous votons pour elle et nous avons un temps de changer. C'est des votes sentimentaux, émotionnels. Il n'y a pas de résultat. Nous faisons déjà, il n'y a pas de résultat. Et c'est ça qu'il faut après deux jours nous demander pour l'aller. Parce que il n'y a pas de gang qui a un projet, oui. C'est des bluffs qui t'a réglé. Des bluffs. Si nous ne suspendons pas, petite pomme, petite peau, la vie n'est pas mal, oui. Ok, parce que les n'a pas de développement en société, nous n'avons pas une catégorie de monde qui est moins formé aux yeux pour nous mettre là-dedans. Bon, soit disant dit, nous avons pile monde qui a prôné, on dit alors qu'on a un projet de société. Est-ce que des monde qui peut participer là-dedans ou participer là-dedans? Même mon carton rouge m'a toujours baillé chaque jour. Il m'a prévu de là tout le monde qui veut l'étendre. Les gens qui ont fait 1986 nous ont fait un grand mal. Parce qu'ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas comment penser l'après 86. Ils n'avaient aucun projet de société. Ils étaient juste voulu renverser la dictature des Duvaliers pour un soi-disant la liberté d'expression. Et après, rien. La réponse est tellement claire, nous n'avons jamais arrivé à penser société à eux. Parce que nous n'avons pas qu'un projet pour l'après des Duvaliers. Et le décor a été vite planté avec Aristide, après avoir arrivé au pouvoir. C'est lui qui a d'abord détruit toute l'administration publique d'abord. Parce qu'il n'avait pas le sens de l'État. Et Jos Vini, il renversait toute sa dualité qui existait net du point de vue administratif.
Mais oublions seul bagaille. C'est que le pays a été contrôlé de Mol Saint-Nicolas jusqu'à Port-au-Prince, de Jérémy à Port-au-Prince, de Wanamet à Port-au-Prince par l'État. Mais à partir de 90, l'État est réduit à Port-au-Prince. Tout le reste du pays s'est livré à lui-même. Tout le reste du pays a pagaillé sous besoin de pièces administratives qui côté pour une faire dans Port-au-Prince. Mais en sérieux, est-ce que ce Duvalier le ça? Il faut nous reconnaître. Ce n'est pas juste nous voulons renverser la dictature comme s'il n'y a pas de bon, comme s'il n'y a pas de gagné la donne qui était bon. Vous voulez renverser la dictature, finir avec des points modernes, moderniser. Ça n'a pas de bon la donne, j'ai dit qu'il y a ça qui était bon. Parce que l'idée est une structure. Mais là, on prend tout au crâne. Ou la guerre recommence à zéro. Et c'est ça qu'on fait là. Si on a fait un petit coup de pied sur la diaspora haïtienne, regardez pour nous. Pendant la dictature, près de 80% de l'élite intellectuelle pays a quitté le pays. Même professeur pour l'université de Baguen. Voix pour l'école primaire, au niveau classique, secondaire. Nous n'avons pas ça du tout. Presque toute l'élite pays a vu vider. Il a vu au service de la communauté internationale. Qui côté? D'abord, l'Afrique. C'est nous-mêmes qui avons construit le système éducatif africain majoritairement. Le Canada, c'est nous-mêmes qui mettons un système éducatif sous pied pour le Canada. Aux États-Unis, c'est le même. Nous contribuons de tous côtés ça. Pour qui ça l'a fait nous? On n'y a pas fait. C'est parce que véritablement, nous ne pouvons jamais conscients. 2 minutes, monsieur Béliard. D'accord. Où était? Je crois que journée jeudi, on ne pense pas à petit. Diaspora haïtienne. On pense à des projets communs. Des projets par pôle de développement pour Haïti. Comme nous avons chaque jour, on repense à l'autre gens. Des gens qui ont des organisations, qui ont des projets, qui sont intéressants. Et c'est joindre nous avec eux. Il y a des jeunes qui viennent former ici, qui sont disponibles pour aider gratis, si chers, bonnes compétences. Il ne faut pas penser que c'est comme pour nous faire tout le bagage pour Haïti. Jeunes qui ont contribué à travers des gros projets de développement, on fait. On ne fait pas de petits bagages à côté. Vous avez dit good, ou bien on n'a pas acheté de mettre un pied chaque jour belle parce qu'il y a une diaspora. Même l'école, il va aller. Mais si nous faisons des gros projets de développement, nous changeons la société structurellement. Nous moderniser et nous choisissons pour une voie scientificité. Ben c'est petit nous avons mis à demain. Merci. Applaudissez s'il vous plaît. Oui. Donc, intervenant, je vous donne le temps pour vous parler. Et puis après, monsieur, votre attention s'il vous plaît. Pas de problème. Monsieur Eric Sauré. Docteur Eric Sauré. Merci beaucoup. Merci. Bon, bonsoir tout le monde. Je sais que tout le monde est là aujourd'hui. Oui. Parce que je connais en Haïti, il est là, puis tombé, et il s'est pas sorti. Là, ça veut dire que. Ça veut, exactement. Ça veut dire que là, nous sommes en diaspora, et ça me dit nous tout à l'heure, ça me le montrer nous qu'il y a l'autre barrière pour nous penser. Donc, je remercie tout le monde qui a organisé l'événement. Ça. Il n'est pas toujours facile. Les gens ont un problème politique qui est grave. D'un coup, ça a passé aujourd'hui. Hein. Pour les gens prendre responsabilité, fait rencontre dans la communauté. Hein, parce que chaque monde dit, ah, pas le tiré compte, chaque monde va le vina pour qu'il vienne défendre pas. Et puis, l'après-midi, moi, tout le monde. D'accord. Moi, tout le monde bien à l'aise, tout le monde attentif. Pour y participer, pour y contribuer, ça sont gros points qui sont liés. Ça veut dire que nous gagnons un bagage là qu'est nous, nous gagnons un bagage que nous, comment dire, que diaspora porte ben nous, que nous parlons de nous, que nous pouvons utiliser pour nous répondre à questions que nous posons nous après-midi. Alors, je voudrais remercier mon confrère Simon, mon confrère Siméon, mon confrère Valérie Béliard. Nous demandons un bagage qui est très difficile. Tout à l'heure, nous avons dit pourquoi nous parlons français, pas de créole. Je me sens que ça sont violences liées. Quittez-moi parler. Je me sens que ça sont violences liées. Pour qui ça? Parce que nous, mon pays, nous avons deux langues. Et moi-même, je suis là. Je vais maintenant tête-moi que je vais parler français. Attention, s'il vous plaît. Ni que je vais parler créole, maintenant tête-moi que je vais parler avec mon pays. Et que quelle que soit la langue que je vais parler avec là,
comme son échange, nous le fait qu'on échange culturel, n'a privé joindre point d'entente, n'a privé échanger, et les nous échanger, n'a pas changé bon barré pour payer nous, c'est laisse à nous pas joindre solution. Premier barré, m'a dit aujourd'hui hein, que la crise n'a pas traversé la caille noire, contrairement à ça, en pile monde pensait, les au-delà d'une crise politique. Et c'est entre autres pour raison ça que nous pouvons jouer une solution. Que nous pouvons jouer une solution parce que nous au-delà d'une crise politique. Nous d'abord gagnons une crise qui est une crise de la représentation. Ça veut dire que nous avons voté pour nous, nous avons voté député, nous avons voté sénateur, nous avons voté pour nous. Nous avons un problème pour nous régler. Yo pas qu'à régler, yo pas régler, yo mande société civile là venez de yo. Quand y a mande diaspora venez de yo. Or, mon connais nous tout connais Jean Passe Mars. Nous lis bien la vocation de l'élite. Yo une première vocation de l'élite, faut le représenter moun qui mande le représenter yo. Jodi hein, moun nous demande pour nous représenter yo tout crasé rac. Y a le chercher peuple là. Pour peuple en bas au pouvoir. Et elle cherche peuple en, pour peuple en vienne faire en place, ça ne permet pas de faire. Première crise. Deuxième crise, nous avons son crise du commandement. Nous avons un président. Peut-être que nous avons un président. Nous avons un ministre. Peut-être que nous avons un ministre. Depuis juillet 2018. Qui est-ce qui a commandé? Ouais, c'est ça. Qui commande? Eh oui, deuxième crise. On appelle ça une crise du commandement. Deuxième vocation élite là, d'après Jean Prince Mars, c'est commander. Autrement dit, lors d'un pays, crise de représentation plus crise du commandement, crise de la transformée de consistance. Ouais, de transformer de nature, qu'on y a, nous obligé à chercher Moun qui est dans la société civile, c'est-à-dire chef d'entreprise, pasteur, ongan, tout ça nous voulait, même chef gang, parce que nous menions tout, dans le Sénat, ma consiste pour te voter loi, nous menions tout de côté, ça veut dire que Moun qui pour te faire, Moun qui t'a doué faire, représenter, commander ou pas faire. Et puis je vous dis, eh bien, le peuple, effectivement, est mobilisé. Mais ce n'est pas que le peuple. Toute la société est mobilisée. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que la crise nous a suivi aujourd'hui, c'est une crise sociale. Une crise sociale, ça veut dire une crise qui demande que nous toutes participions à la réflexion qu'a faite là. Pas nous voyons monter, non. Pas monter sur Internet depuis le vote, depuis les gars levés, ils sont en colère, ils sont déterminés, ils sont furieux, etc. Ils ont connu ces conseils, ils vont changer là. Non, ce n'est pas vrai. Parce que les crises sociales, ça veut dire que ça veut dire que les gens qui n'ont pas de travail, les gens qui n'ont pas à l'école, ils ont dit non, les gens qui n'ont pas à manger. Et le problème qui est posé, nous dit le problème de représentation, le problème de commandement, nous pouvons voir qui est le monde qui prend le bail au manger, qui est le monde qui prend le poter un projet pour eux, pour voir à l'école, et puis surtout qui est le monde qui prend changer la vie des paysans. Je dis ma gueule. Les notes faire révolution 1804 là, objectif nous était clair. Nous avons souffri en pile dans la colonisation. Notre objectif, notre seul rôle, depuis notre préambule de la Constitution, nous mettait que nous avons un droit pour nous vivre bien. Nous avons un droit pour nous heureux, nous-mêmes tout. Eh bien, depuis 1804, nous avons quitté là pour nous représenter. Nous avons quitté là pour nous commander. Nous avons volé l'emmener nous. Et parce que vous voulez l'emmener nous, ça que nous-mêmes nous fait, nous-mêmes qui est là, ça nous fait. Nous pâtis. Donc, dispersion, d'ailleurs, tu parles de nous tout à l'heure, c'est ça lié, oui. C'est-à-dire qu'il y a une cause, il y a une racine, il y a une raison, et il y a un but tout. Là, où on a une dispersion, diaspora, ou passé dans le grec, diaspora, dia, à travers, d'accord, et puis sporia, dispersion, ensemencement, nous tous côtés.
à travers le monde, de tous côtés. Mais diaspora, il faut une espérance. C'est ça, dispersion, il faut une espérance. Nous-mêmes, nous connaissons des protestants dans la salle là, nous connaissons des gens qui font un peu l'histoire. On va prendre deux grandes figures de la diaspora à travers le temps et l'espace. Joseph et Moïse. Et on pourrait en prendre d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont accepté la souffrance de vivre ailleurs, en Égypte. Ils ont accepté la douleur de vivre ailleurs, mais ils portaient en eux une espérance que personne ne pouvait vaincre. Ils ont travaillé, vous travaillez. Et le jour où il fallait y aller pour apporter cet espoir, pour faire vivre cette espérance que la diaspora doit faire vivre, parce qu'on n'est pas parti pour toujours. Quand on part, il y a deux temps. Le temps précaire, le temps provisoire et le temps éternel. Nous sommes dans le temps provisoire pour préparer autre chose. Et c'est cette responsabilité-là que nous devons assumer. Et c'est cette responsabilité que nous n'assumons pas encore. Ce que je veux dire, c'est que dans la crise sociale, ça, question qui posait nous, qui responsabilité, responsabilité diaspora qu'à prendre, dans la crise, ça, je dis non, crise là, elle est sociale, elle est plus que police, ça veut dire que nous avons à poids pour nous faire. Mais il ne faut nous pas faire à poids n'importe qui, Jean. Moïse, Joseph prend temps, il travaille, il crée un réseau, il crée un équipement. Moïse prend temps et Léo choisit là. Là encore, il doutait. Ensuite, il a accepté d'être éprouvé. Et à un moment donné, il a pris ses responsabilités pour conduire le peuple vers son espérance. C'est-à-dire que désir, il faut nous accepter pour un lit. Chef, il faut nous gagner une. Je vous dis, peut-être qu'ils n'ont pas gagné, mais il faut nous gagner. Pas gagner jambes, gagner un peuple qui construit à travers le temps, qui pas gagner un chef. Partout. Autrement dit, exactement. S'il pas là, il faut le venir. Et l'élevé, il faut le former. Et l'élevé, il y en a pour qu'on ait qui chef nous. Autrement dit, rôle que vous demandez pour nous jouer en tant que diaspora, devoir que vous demandez nous pour nous assumer, parce que responsabilité, on va chercher en latin, c'est respondere. Porter une responsabilité, aller chercher une réponse. Eh bien, réponse, vous demandez nous pour nous porter dans le pays, il y a un problème de crise, ça qui n'est pas que politique et sociale, là, c'est que faut nous contribuer. Mon confrère Valérie Béliard l'a dit, hein, c'est la science qui cabane en chemin. Mais la science, ça veut dire que nous pouvons nous porter réflexion. Nous pouvons avoir plusieurs thèmes pour nous porter réflexion sur lui. Bah, le peuple. Bah, il y aurait le peuple en Haïti, il faut nous porter une réflexion sur lui. Parce que les gens du peuple, depuis du peuple, c'est mon bidonville, c'est mon province. Non. Et nous-mêmes. Nous ne sommes pas peuple. Nous sommes peuple tout. Et mon qui nous-mêmes dans la classe moyenne, nous ne sommes pas peuple tout, mais c'est peuple nous. Ça veut dire que nous-mêmes, tout, nous ne pouvons pas contribuer. Nous sommes phares avancer pour nous, pour nous aider. Yo. Aller plus loin. Mais sinon, dire que c'est eux-mêmes qui peuplent là, qui solution que nous baillons. Première chose. Deuxième chose, bourgeoisie. Alors, les gens depuis aujourd'hui, bourgeoisie, ils ont dénoncé un groupe de monde. C'est pas ça, bourgeoisie. Faut nous, autrement dit, faut nous démystifier une série de bagailles dans le pays. Si nous voulons prendre des responsabilités en main, si nous voulons engager nos vrais. Pour nous sortir du pays à nos alliés, il faut nous démystifier, bah, c'est bah, le peuple, bah, la bourgeoisie. La bourgeoisie, aucun n'a une conception négative, c'est moi qui gagne l'argent. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça que bourgeoisie. Bourgeoisie, c'est un groupe moun qui considérait qu'elle a une responsabilité envers le pays. Qui considérait que bagaille belle, l'idée pour tout le monde. Qui considérait que richesse qu'il gagne, il a gagné à partir du moment qu'il lui redistribue. Nous avons gagné ça dans le pays. Donc, si nous voulons jouer en rôle en tant que diaspora, il faut aller chercher, démystifier Mounsao. Il faut aller chercher, dire Mounsao, n'a pas peuple à mentir. Et puis, le dernier bagaille, nous-mêmes, diaspora, qui est au place nous. Nous n'en peuple là ou bien nous n'en bourgeoisie.
m'a dit non bagay, chaque fois que yo dit nous c'est peuple haïtien que yo exclu dans la bourgeoisie, chaque fois que nous dit nous pas bourgeoisie, ça veut dire que nous même qui dans diaspora nous pâti pour un bagay mais nous pas réaliser rien. Or c'est pas vrai. Gen moun pâti dans pays yo arrivé ici, yo qui t'a changé de la vie du jour au lendemain. Ça veut dire quoi? Les services publics, l'eau, l'électricité, la santé, ça nous gagne un jour d'hier qui est tout simple. Qui nous pas joué la caille ben nous-mêmes, nous avons contribué pour nous dire que ça, son bagage normal lié, qui est son bagage de base. Donc, les demandes aux responsabilités diaspora, eh bien, c'est ça, ils ont demandé. Ça veut dire que participer dans la réflexion, venez là avec nous, et puis, poter ça au gagné comme réflexion pour aider nous, jouer nos voix, pour aider, jouer nos solutions, pour nous montrer que la diaspora, il casse vie d'un bagage à un bagage, que la diaspora, il casse vie à bousculer au sérieux des idées reçues qui fait que, les nous là, nous sentons exclus, alors que nous travaillons dit pour nous intégrer nous. Et les nous retournent en Haïti, ils excluent nous tous parce qu'ils disent nous. Trois minutes, docteur Eric Sauri. Merci beaucoup. Donc, qui responsabilité nous, c'est réfléchir sur le problème nous, considérer que le problème n'est pas seulement politique, considérer que c'est pas seulement parce que il y a des gens qui peuvent tomber, parce que il y a des gens qui peuvent remplacer, qui n'a pas une solution. D'ailleurs, si vous avez une solution en cité politique, vous avez déjà. Le problème n'est plus grave, le social, il faut nous contribuer à discuter entre nous-mêmes. Et me retourner sur le problème l'anglais. Le problème l'anglais, tout, il fait partie de ça qui divise nous. Il faut nous capables de parler de ça, il faut nous capables de réfléchir sur ça pour nous considérer est-ce que nous apprenons tous deux, est-ce que si on sait nous apprend, est-ce que si nous prenons tous deux son problème là, les beaux pays nous, est-ce que si nous prenons seul, est-ce que c'est là sa cap solution pour payer au lieu que à chaque fois yon rejeté l'autre alors que justement c'est un bagaille yon rejeté l'autre là depuis 1804 qui nous fait payer à pas qu'à jouer une solution. M'a fini pour me dire nous que crise là mot crise là et bien il y a deux définitions. Au gain d'apprendre définition latin hein, crise là ça veut dire c'est une manifestation violente, une manifestation grave d'une maladie. Ça veut dire que société est malade. Sous la définition grecque, crise, ça veut dire jugement, décision. Ça veut dire que crise, c'est un moment que nous devons décider. Or, je disais tout à l'heure, le problème qui est en Haïti, c'est que nous n'avons pas décidé. Nous n'avons pas t'apprendre à décider, parce que décider, ça s'apprend. Ça s'apprend dans les familles, ça s'apprend à l'école. Et je vous dis à nous là ensemble pour nous réfléchir, pour nous apprendre à décider, pour nous sortir de la crise. Dernier, ça m'a dit nous sommes crise, ben c'est chinois qui potelli. Crise là sont opportunité. Faut nous suspendre pas crise, faut nous attaquer crise yo. Depuis 1804 nous en crise parce que nous pas jamais attaqué problème crise là. Depuis assassinat de Saline nous en crise parce que nous pas parler de ça. Nous perdit qui est-ce qui tue elle. Nous perd. Nous perdit. Oh, là on en crise. Nous pas capable parler oui, mais depuis au fin assassinat là pays a divisé, les couper en deux, les couper en quatre. Des pour parler de bagages sérieux, des pour parler de bagages histoire, yo veut exclure. Or si nous pas jamais parler de ça qui passe, qui fait nous mal et ça veut dire maladie, oui. Maladie ça veut dire que au gon bagage ou pas qu'a dit. Or comme au gon bagage sous conscience ou pas qu'a dit, dit tout faux, les crazo et le catu tout. Après-midi à moi même samedi nous pour nous sortir dans crise là, faut nous apprendre à parler de ça qui fâche nous, faut nous apprendre à libérer nous de ça qui fait payer nous mal. Et puis en tant que diaspora, nous connaissons deux grandes figures que nous avons suivre, Joseph, Moïse, ils ont été libérés, Pepio. Et bien nous-mêmes, si nous voulons prendre un engagement, c'est prendre un engagement pour nous contribuer. Non pas le faire manifestation entre toutes les gens, non pas le faire des tout le monde, non pas le faire abattre tout le monde, mais à porter réflexion, dire que nous avons payé de nouveau l'école, nous avons payé de nous apprendre nos métiers, nous avons apprendre pour nous progresser, pour nous changer pays, nous, ensemble. Applaudissez s'il vous plaît, docteur Eric Sauré, notre intervenant. Et nous connaissons ce qu'on s'en appelle. Tout de suite, nous allons recevoir pasteur Ricardo Matalbert. Bon, bonjour, bonjour à tout le monde, à toutes, à tous. Et moi, content et après-midi, pour moi, capable de prendre part avec Débassa, conférence Débassa. Je remercie l'organisateur qui a pensé à faire invitation ça. Et moi saluer aussi chaque
et intervenants, chaque monde qui est intervenu là, avec des choses vraiment diverses, et, mais aussi tellement complémentaires et riches. Nous sommes capables de parler de Haïti pendant des jours, et voilà, nous ne pouvons jamais épuiser ce sujet. Mais nous gagnons 15 minutes pour nous faire ça. Et moi, essayer pour moi le plus pratique possible, parce que temps coûte, d'accord. Et pour moi parler plus de concret, si nous sommes capables de passer l'expression. Déjà, plusieurs intervenants relevé petite interpellation ça qui gagnait au tout début. Côté que nous t'es fermement en tout cas interpellé nous à ce que la conférence ait lieu en créole, d'accord. Et c'est intéressant parce que nous avec question ça en plein débat, c'est que beaucoup l'ont dit, donc c'est pas la peine de répéter ce qui a été dit, c'est que depuis 1804, nous gagnons yon bagay que nous pas fait en fait. Yon bagay qui était réuni et tout peuple sa yo au départ, hein, qui était sorti dans des tribus différentes, des coins différents, même si on sait qu'une bonne partie vient du Bénin, hein, c'est généralement admis. Mais langue créole là, t'es venu en réalité solidifier. Ok? T'es venu bayo possibilité, etc. Mais langue créole là, malheureusement, l'irrité, you langue du quotidien. Excusez-moi, l'aime de dire ça. Langue créole là, arrêté, you langue de l'ignorance. Nous n'avons jamais fait du créole une langue de savoir. Quand on sait, quand on a étudié, c'est en français. Est-ce que nous comprenons ça, Wadia? Nous pas jamais, et vraiment, hein, même si je me souviens à une époque, parce que moi fais toute étude primaire moi aussi en Haïti, mais à une époque, éducation nationale, te mettait obligatoire, cours créole, etc. Mais en réalité, dès qu'on doit apprendre une science, une profession, c'est en français. Et nous, généralement intellectuels haïtiens, ça qui étudie, yo, ils n'ont pas jamais ramené au créole le savoir qu'ils ont acquis en français, en anglais ou dans d'autres langues. Est-ce que nous ça m'a dit? Donc du coup, lorsque nous étudions un bagage, il y a un intervenant qui souligne ça, il est difficile pour nous parler de ça en créole parce que terme consacré, pas en créole. Est-ce que nous comprenons ça, Mandia? Donc, c'est un gros problème. Nous, nos pays, côté que nous connaissons comment éducation, en fait, pour qui ça? Et même si l'école a fonctionné en français, généralement, en tout cas, les livres sont en français, généralement, mais le pays a fonctionné en créole. Gros problème dans le pays, lorsque tout le monde fait étude de la maternelle à la terminale en français, même on n'a pas qu'à faire une conversation en français correctement pendant 5 minutes. Est-ce que nous comprenons ça, Mabdia, là? Est-ce que ça m'a bien fait sens pour nous? Est-ce que ça m'a bien fait sens? Donc, ça veut dire que c'est pas que nous devons rejeter, comment dire ça? Par exemple, si on dit, si n'a pas les français là, il y a des gens qui font faute de français. Et puis, tout le monde qui parle, ah, il a dit. Pourquoi? Parce que comme, en réalité, on identifie celui qui a appris, qui a étudié, par le fait qu'il parle français. Et dès lors, quand tu ne peux plus parler en français, tu es un imbécile. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous, ça m'a dit là? C'est ça, c'est une bagaille que nous devons enlever. Donc, m'a survolé, tant qu'on m'a dit, pour m'essayer pratique. Donc, nous, moi, apprécie beaucoup aussi, m'apprécie vraiment toute intervention. Première intervention, hein, qui ça qui fait nous sommes diaspora, en parlant de conscience en réalité, conscience de groupe, conscience en tant que diaspora. Et ça, c'est important, conscience nationale. Nous devons faire en sorte, en réalité, que, eh bien, créole l'alvini, une langue de savoir.
tout le monde qui étudie, nous devons faire en sorte que l'avenir aux langues de savoir. Ça veut dire que qu'on soit en mesure d'étudier les sciences sociales, les sciences humaines, etc., les sciences dures en plus, mathématiques, etc., en créole. Philosophie. En créole. Est-ce que parce que souvent, on entend puis là, il s'est dit, bon, c'est, nous voulons que le créole soit une vraie langue. Mais sauf qu'il le dit en français. si je le dis, si moi je dis en créole, tout de suite, bon. Est-ce qu'elle est capable de faire ça, Julia? Ok. Donc, donc, ça a des corollaires, vraiment, tu as des corollaires. Hein? Ça, c'est encore un mot qui n'a rien à voir avec le créole. Mais ça a des conséquences qui impactent nous vraiment. Dans la façon dont nous avons fait le pays avancer. Pour quelle raison? Nous, toujours tenter de faire copier-coller. Copier-coller de ce qu'on a étudié, copier-coller de ce qu'on a appris, copier-coller, etc. Même dans les termes, on parle de l'indépendance. On a repris tout simplement ce qu'il y avait en France, liberté, égalité, fraternité. Mais ça a été pensé en France par des gens qui sont dans un contexte socioculturel, qui n'ont contexte socioculturel, et qui réfléchissent sur le bagage, etc. Et puis on dit, ça c'est devise nous. Mais nous reprenons les textos. Textuellement, liberté, égalité, fraternité. À quel moment nous te chita pour nous te débattre sur lui, pour nous te dire, est-ce que c'est vraiment ça qui a conduit nous? Est-ce que c'est vraiment ça qui a bouché? À quel moment? Est-ce que nous comprenons ça dire là? Donc, nous avons ça dans le système, j'ai fait aussi un peu de droit. Silence, s'il vous plaît. Vous allez trouver ça dans le droit haïtien. Le droit haïtien, c'est copier-coller du droit français. Avec moins développé dans les grandes lignes. Excusez-moi, je suis capable de dire ça. Dans les grandes lignes, mais en moins développé. Et parce que les législateurs, malheureusement, au lieu de légiférer, ils ont l'autre bagaille à régler. Est-ce que vous avez dit là? Qui parle? Ok, bon, ça c'est notre solution. Mais on parle de procureur de la République, etc. Tout ce qu'on peut trouver en réalité, pardonnez-moi, je vais aller loin, mais m'aller vite, parce que je ne vais pas gagner plus le temps. Dans les cultures dominantes, on les retrouve, on les prend, nous récupérons textuellement, sans que nous ne pas adapter dans le contexte socio-économique et socio-culturel, pardon, que nous y a. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, toutes les questions liées à la démocratie, etc., on fait des copier-coller des organisations des autres, hein, pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Ok, président, premier ministre. Pas de monde qui chita pour réfléchir, mais est-ce que type d'organisation ça, c'est meilleure organisation liée pour Haïti? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, quand c'est généralement ce qui se passe, quand on copie, on fait moins bien. Hein? Quand on copie, on peut être un peu plus pâle que l'original. Hein? Donc, voilà. Donc, ça, c'est un bagage qui est important. Parce que le docteur Soré a dit tout à l'heure que ce n'est pas en crise politique. C'est effectivement problème non, il y a des conséquences politiques. Mais problème non, sont problème sociétal. Comment qui société nous te chita pour nous te réfléchir, nous te dit nous pas le construire. Est-ce que nous comprenons ça, moi, dis-là. Donc, après, on peut avoir des considérations. Les marches 5 minutes de faire plusieurs pieds. Ou à 4 minutes maintenant. On va mal dans marcher. Ok. Tu as triché. Hein? Ok. Suivez bien. Ok. Bon. C'est parfait, j'ai confiance. Donc, suivez bien. Et alors, pour reprendre le fil de mon pensée. Il y a un paquet de bagages, nous sommes capables de dire. Nous sommes capables de penser à des solutions pratiques. Par exemple, mettre des plateformes avec toutes compétences que nous sommes capables de gagner à l'extérieur. Encore que, faut que nous disions aussi, gagner des compétences aussi à l'intérieur. Il ne faut nous pas nier ça, gagner des gens bien formés. Et appareil élite, parce que parlons plutôt des élites, hein, l'appareil des élites, c'est ça qui est le problème, non, qui est le drame non, en Haïti en plus. Il n'est pas constitué seulement de monde qui ne connaît pas. Il y a un monde qui fait de belles, de grandes, de bonnes études. Et puis pourtant, souvent, lorsqu'il a traduit dans la réalité les théories qu'ils ont apprises, ou même des monde qui dit bon, 2 plus 2, est-ce que c'est même monde qui dit il égale 5 là? Est-ce que vous comprenez? Sérieusement. Et parce que, on a dit, un grand intellectuel, je ne cite personne, un grand intellectuel haïtien qui va dire que, bon, ok, depuis le début, et 1804,
Et la grande majorité, plus, je crois que plus de 90% des leaders haïtiens n'ont jamais terminé leur mandat correctement. OK? Même Mounsa Lidou, il faut que je vienne l'aller. Excusez-moi. Je vais vous dire que, laissez-moi, je donne mon opinion. J'ai constaté déjà, deux minutes maintenant, j'ai constaté déjà une fracture entre les opinions des Haïtiens vivant à l'étranger et les opinions vivant, des Haïtiens vivant sur place. Il y a une fracture. Venez chercher moi en créole. Une tension, mais non, c'est pas vraiment une tension en fracture. C'est une séparation, une distance. Bon, OK. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Et il y a une raison pour ça. Mais quoi qu'il en soit. Comment pour Haïti développer si pas gagne stabilité? La stabilité commence par des règles claires et établies. La stabilité commence, excusez-moi, moi, en même temps, je connais ma opinion, je connais qu'une grande majorité n'est pas d'accord avec ça. Mais la stabilité aussi, et c'est la stabilité des institutions qui fonctionnent. On peut ne pas aimer un président. Je ne connais pas M. Moïse personnellement. On peut ne pas aimer un président. On peut ne pas aimer sa politique. Mais il y a une règle jouette qui dit, mais comment pour bagaille là fonctionner? Est-ce que nous comprenons? Bon, il y a des gens qui le dire aussi, lui-même, il va respecter les règles aussi. Nous comprenons ça. Mais sauf qu'à un moment donné, nous avons besoin que bagaille marche sous deux jambes et pas sous tête pour y marcher. Si chaque monde n'est pas d'accord avec lui, il faut me renverser. Il y a des gens là qui sont dans l'opposition. Opposition, depuis que je connais, ils ont toujours demandé de départ au gouvernement. Depuis qu'ils ont parlé dans la télévision, dans la radio, ils ont toujours demandé de départ au gouvernement. Ils n'ont pas eu l'autre revendication, quel que soit le gouvernement qui montait là. Est-ce que vous comprenez ce que là? Donc, et puis, les gens qui n'ont misé. Votre attention, s'il vous plaît, silence. Les gens qui n'ont misé n'ont pas suffisamment de distance. Et quelquefois, et pas nécessairement. Il y a une capacité pour le réfléchir aussi, pour le dire, mes amis, si nous avons un pays stable, si nous avons besoin d'hôtels, touristes rentrés, diaspora, retourner, venir installer, etc., dans son autre problème, nous avons soulevé encore. Est-ce que dirigeants veulent recevoir nous réellement, hein? Nous avons posé ça. Donc, tant que ça n'est pas fait, eh bien, il y a un paquet de bagailles qui est impossible. Dernier point, plateforme et pour la formation, etc. Mais il y a les problèmes structurels. Nous avons des intellectuels en France, etc., des docteurs aux États-Unis, partout, etc. OK. Mais structurellement, il y a besoin d'électricité. Qui est-ce qui peut l'apprendre à distance si il n'y a pas d'électricité? Si Internet n'a pas fonctionné, et ça, il y a un côté de nous, il n'y a pas faire. Nous n'y a faire. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, avant qu'on me prenne le micro. Merci. Et si il y a des questions, après ma parole. Applaudissez, Pasteur Ricardo Batalbert, s'il vous plaît. Et maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Madame la seule femme que nous avons sur la table, Madame Marie-Lodie Chadavoine, dans son exposé. Sur votre applaudissement, s'il vous plaît. Hein. Bonsoir, tout le monde. Bon, moi-même, entendez tout ça qui dit là, même envie de camper pour me parler. Ça fait plaisir. Entendez tout ça qui dit là, mais moi-même, je bral parler dans l'autre sens. Qui pral rejoindre ça qui dit déjà là, oui. Mais moi-même, je vais prendre problème dans l'autre sens. Peut-être ça, je vais commencer par deuxième question. Je vais appeler en français pour nous. Comment expliquer la crise haïtienne? La solution est-elle envisageable sans le départ du président Jovenel Moïse? Et la dernière partie de la question, sinon, comment penser l'après-Jovenel? Bon, moi-même, ça me capable de dire sous cause ça, parce que ça fait longtemps que je réfléchis sous cause ça. Je vis 35 ans en vie en Haïti, je suis rentré en France, j'ai 35 ans. Et je fais 18 ans plutôt, depuis que je vis en France. Tout le monde connaît l'âge là. Mais question Haïti a. Question Haïti a, li pa janm soti nan tèt mwen, li pa janm soti nan kèm, parce que moi-même lèm te Haïti, m travay en pile nan domaine nan. M te enseigné depuis ti classe jusqu'à philo. Après ça m fait droit Haïti, m te avocat Haïti, m'exerce droit en Haïti.
travail, en fait, crise, ouais, m'a parlé. Crise Haïti, ce n'est pas une crise que nous sommes capables de prendre comme ça, comme ça. Ce n'est pas une crise que nous sommes chita sous lit pour nous croiser les pieds, pour nous dire nous prenons faire ça, nous prenons faire ça. Non. Crise Haïti a li pi loin que ça. En pile nos collègues yola parler de crise Haïti à partir de 1804, non. Pour moi même, crise Haïti a li pas depuis 1804. Crise Haïti a li là depuis Christophe Colomb mettait pied dans pays. C'est depuis le ça crise Haïti a là. Parce que ça qui pas jamais dit n'a causé Haïti a Christophe Colomb certes, il découvre l'Amérique, il découvre Haïti, il y a des Indiens qui t'ap vivent là, hein, les Amérindiens qui t'ap vivent sous territoire. Après, mais qui ça t'a découvert? Il t'a découvert l'île d'Haïti. L'île d'Haïti, a, qui ça l'a sous lui? Il y a deux républiques, il y a République Haïti et République Dominicaine. Mais il n'y a pas jamais dit ça. République Dominicaine, c'est l'île d'Haïti liée. C'est l'île d'Haïti liée. Donc, crise haïtienne, si nous voulons résoudre la crise haïtienne, déjà, il faut qu'on unité. Rassembler deux mots sautés pour retourner yon seul. Votre attention, s'il vous plaît. C'est comme ça. Ça a incité un autre débat, mais c'est comme ça, ça y est. Silence, s'il vous plaît. Donc, il y a tout le temps pour nous faire débat. N'a pas parlé de crise. Si nous regardons bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Merci. Au fond, merci. Merci beaucoup. Depuis avant de démarrer, nous avons dit que nous connaissons le débat. Bral chaud. Mais, il faut qu'on commence. Nous prenons le baoul, tout le monde prend le balai. Nous avons la chance pour continuer, et puis après. Et puis déjà, respect pour former déjà, monsieur. C'est ça lié. Merci. Si nous gardons bien, l'île là, l'île d'Haïti a divisé. Elle a divisé en deux morceaux. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Fais-nous plaisir. Et si nous voulons me camper pour me parler, je vais monter sous table là pour me parler parce que je fais ça déjà. Oui, donc, je dis que l'île là, l'île pays, ok, ils ont divisé en deux parties. Français prend une partie, espagnol prend une partie. Donc, si nous voulons aller vite, nous arrivons en 1804. Mais 1804, le Haïti prend indépendance li. C'est un parti qui prend indépendance là. Parce que République Dominicaine que espagnol yo te prend, li pa te prend indépendance li même, li pa indépendant. Donc Haïti a souffri parce que li gen un parti qui guéri, un parti nan col qui guéri, l'autre parti nan col là li pa guéri. Et même l'indépendance n'a te prend, Haïti pas très en fait parti ça qui Haïti a, li pas de co-république. Li pas de co-république, c'est un royaume li était, li pas de co-république. Donc ça histoire pays a faut que nous connaissons. Donc crise Haïti a, li d'abord une crise identitaire. Le Christophe Colomb rentré, li met à genoux la terre, li plante un croix sous pays a. Il mettait la religion. Mais qui religion le mettait? Qui religion le mettait? Tout ça fait partie de l'identité pays. Christophe Colomb, tu es juif. Christophe Colomb, tu es juif. Ok? Qui religion le mettait? Et si nous regardons, nous avons parlé de peuple. Nous, s'il vous plaît. Merci. Pas oublier. Madame Loudi, merci. N'a pas gagné assez de temps pour nous faire tac au tac avec elle.
Monsieur, s'il vous plaît, je m'adresse à vous particulièrement. Vous aurez assez de temps pour poser la question. Maintenant, laissez-le terminer. C'est mieux, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous avons une conférence débat. C'est parce que nous connaissons un débat. Il y a un bagage intervenant à dire là. Nous ne pouvons pas accepter. Moi-même, je ne peux pas accepter. Lui-même, il ne peut pas accepter. Mais si nous venons là pour nous chita, pour nous dialoguer, pour nous faire débat ensemble, c'est ça fait nous dire débat contradictoire. Laisse ça, ou cas d'accord, ou cas pas d'accord. Mais ce n'est pas pour autant pour ne pas avoir une chance pour le parler. C'est ça nous besoin dans vous. Ok? Est-ce que nous voulons garder silence dans la salle là, s'il vous plaît? Ça t'a fait mal. Écoutez. Côté nous est là. Radio Caraïbe FM, attend qui résultat nous va le bailler. Radio Éclair, Télévision Nationale d'Haïti, Télé Guinée, tout attend qui résultat diaspora va bailler. M'ba quoi c'est ça là nous dans mes bailler. Attention. M'ba quoi ça n'a nous commencer à profiter là, nous ta mes bailler. S'il vous plaît, zami ou frère. Doris K. France, je parle avec nous. Silence absolu, s'il vous plaît. Madame Loti. Merci. Comme Doris K. France dit, je connais nos papes d'accord. En pile, mon pape d'accord. Moi-même, tout ne suis pas d'accord avec la question. L'homme a commencé à faire recherche. Okay? Mais l'homme a commencé à tomber sous quelques vérités. Et ça fait me réfléchir sous la crise d'Haïti. Nous mettons goumen. Nous mettons faire manifestation chaque jour dans le pays. Tant que chaque grain haïtien ne prend pas conscience pour connaître qui est lié, qui ça, qui Haïti. Et qui côté nous voulons aller, qui côté nous voulons mener Haïti, rien ne peut jamais marcher. Nous mettons et passer gouvernement sous gouvernement. Nous demandons pour le gouvernement aller chaque jour, mais pas ne pas faire yon pas kita, yon pas nago. L'homme dit Haïti a une crise identitaire. Faut que nous connaissions qui est nous, faut que nous connaissions qui langue nous parler, faut que nous connaissions qui l'argent nous voulait utiliser. Moi-même en 2008, nous en 2019 là, hein, en 2008, moi-même, je suis rentré en Haïti. Après 7 ans, depuis que je quitte le pays, qui ça me joigne? Je rentre dans un magasin, prix qui dans le magasin est affiché en dollars américains. Personne n'a pas dit un yen. Qui monnaie Haïti utilisé? C'est goudli utilisé ou bien dollar américain? Kay pas loué en haïtien encore. Kay loué en dollar américain. Qui moun nou yé? Nous c'est américain ou bien sa haïtien? Gang a kidnappé moun. Hein? Kidnapper après les familles moun pour demander l'argent américain. Qui est-ce qui levé droite yo qui dit stop? Côté Abraham qui compte 17 assez pour Haïti, à côté. Côté. Moi-même c'est ça que me voulais défendre aujourd'hui. Qui langue nous parler? De 83 à 85, moi-même, moi travaille sur un programme en Haïti, côté que réflexion ça a été faite déjà pour qu'on ait qui langue haïtien voulait parler. Comme Pasteur Assot dit là, dans l'intervention là, là nous l'école, qui ça nous fait? Enseignement, il fait en français. Est-ce que nous parlons français? Nous ne parlons pas français, nous parlons créole. Donc, français est supposé enseigner comme en deuxième langue. Nous en France, est-ce que anglais, nous avons choix entre anglais, espagnol, allemand? Si vous avez l'école, enseignement fait en français parce que c'est langue pays. Bon, nous-mêmes en Haïti, enseignement fait en français. Est-ce que c'est langue haïtienne liée? Non. Pour y résoudre le problème, non, qui ça y a fait? Eh bien, y a mis français là, ensemble avec créole là, comme langue officielle dans la Constitution. Est-ce que ça, c'est justice liée pour le peuple haïtien? Non. Moi-même, je suis de 83 à 85, je travaille sur le programme. Non? Donc, pour nous faire créole là, une valeur, hein? Nous chita, nous réfléchissons
sur langue nan, nous réfléchissons sur la constitution langue nan, nous faisons une grammaire, nous faisons un dictionnaire et nous demandons, parce qu'à l'époque, créole là, c'est ton patois altéré, pas ton langue. Yon langue, c'est l'elle qui a un dictionnaire avec une grammaire. Mais tant que langue n'a pas un dictionnaire, pas un grammaire, il n'y a pas une langue. OK? Et pour la langue, il faut qu'on matière qui est le diaconie, qui pour baou toute historique langue nan, comment langue nan évolué. Deux minutes, depuis madame travail ça a fin fait, depuis travail ça a été fin fait en Haïti, yo entre créole là, comme ça, pour yo enseigner créole là. Donc créole là vient enseigner comme une deuxième langue, alors que créole là, il n'est pas une deuxième langue, c'est langue nous liée. Hein? Donc, songez grand président, qui s'est fait, il représenté Haïti, Nations Unies, il était parlé créole. Tout le monde a applaudi, tout le monde bat bravo. Mais il faut que nous réfléchissions pour nous connaître créole là, qui côté nous prend la velle, français à qui côté nous prend la velle. Qui langue nous voulait parler, nous voulait faire commerce avec pays étrangers, qui langue nous voulait parler, anglais, espagnol, parce qu'en Haïti, il y a tout ça. Yo. Ou parle avec mon en français, il pas il dit m'vle parler espagnol. Pourtant c'est haïtien. Il dit m'vle pas l'anglais, pourtant c'est haïtien. Ou pas ka parler français alors que français a ses langues liées. Donc on comprend nous. Le talent a nous demandé pour intervention en fait en créole. C'est vrai c'est haïtien nous et c'est créole là qui a vibré dans sang nous. Là nous fâchés, là nous énervés, là nous besoin jouer au monde. C'est créole là qui paraît, c'est pas français qui paraît. Donc Robert Herriot disait que la culture c'est ce qui reste à un peuple après avoir tout oublié. Donc créole là c'est lui-même qui nomme nous, c'est lui-même qui nous sent nous, c'est lui-même qui coule dans veine nous. Donc faut que nous capables de connaître qui ça nous voulait, parce que crise Haïti a m'a répété pour nous, c'est une crise identitaire liée. Tant que nous pas connaître qui est-ce nous y est, qui ça nous voulait. Problème Haïti a l'IPAP jamais résoudre. Et nous gardons terre Haïti a, c'est une terre qui bénit. Le bon problème, dans l'autre pays, on mettait cellule psychologique. Mais Haïti lui-même, cellule psychologique, parle, c'est dans la prière liée. Donc moi-même, pour moi-même, solution pour nous ta joindre pour crise Haïti a, c'est tout. Bon, moi-même, je laisse la spiritualité, je parle de religion. Parce que religion, chaque monde, pour un verset dans la Bible, qui arrange, il forme l'église, et puis il dit, une telle religion. Moi-même, proposition PAM, c'est que, il y a 10 ans, 10 ans séisme qui peut arriver là. 10 ans séisme qui peut arriver là. OK? Donc moi-même, ça me t'a remis. 10 ans séisme là. 10 ans séisme là. Qui pourrait arriver là. Bon, moi-même, moi t'a remis que toute religion, quel que soit dans le pays, qui est en Haïti, qui est ici, toute communauté, association, quel que soit ça nous est, pour nous tous, t'a mettre ensemble, pour nous organiser un gros bagaille là. Par contre, comment après l'elle, mais pour nous la gon prière délivrance pour Haïti, pour pays à capable de sortir dans sa lière. Parce que nous te mettons en manifestation chaque jour. Merci. Youn te met à payer l'autre pour tuer l'autre pour youn paye l'autre, etc. Tant que par contre la prière qui la guerre pour délivrer pays ça, on y est pas marché. Ok, merci. Applaudissez Madame Loudi, s'il vous plaît. Ok. Bon, on va passer. Je vais dire un petit bagage. Où est-ce là? Nous sommes tendus de toutes les intervenants. Nous demandons mesdames accueillent. Nous demandons mesdames accueillent. Nous avons besoin de deux mesdames accueillent devant là pour nous. Écoutez, ça qu'a fait là, je dis non ça. Nous avons tout haïtien qui vivent dans la diaspora qui regarde nous. Attention, pas grand-chose qui a fait en cachette ici. Et moi remercie nous d'abord. T'allez à me parler avec nous, n'entendez-moi. Moi fier de nous. Et me pense si président pays hein, cap diriger, il était capable parler comme ça. Peuple a t'attendé le grand pile bagaille qui était fait dans pays. Mais ça qui va passer là.
Son genou dit ou et deux panels n'a pas gagné. Nous sommes tendu et depuis sous Monsieur Siméon, Belia, Docteur Soré, Pasteur Ricardo, Madame Lodi. Kounia, nous prenons question dans main yo. Non, mais non, tout qui là. Tenez bien ça, me dit non. C'est nous-mêmes. Tout ça qu'a fait là, c'est notre poil balé. Yo même yo exposé, yo fait exposé yo, yo déposé problème là sous table. Est-ce que vous comprenez bien? Mais nous-mêmes, nous pas dit ça te fait nos plaisirs, ça te pas fait nos plaisirs. Tenez bien. Nous tout pas j'aime satisfait à 100%. D'abord, gardez nous tout campé là. Si nous doit dire ça l'a trop petit. C'est premier bagage qui on va dire non, c'est premier critique dont on va le joindre. Mais on va réfléchir pour qui ça c'est sale ça nous prend tout. Parce que grand pile qui fait qui gagne gros sale, sale confortable avec fauteuil en fil à donné, mais pas gagne monde la donne. Journée jodi an, nous voulons tracer un exemple. Moun qui campé yo, si tout chat moun qui chita là l'autant yo. Maison union dans salle là. Si tout garçon yo. Faut protéger femme yo. Est-ce que vous comprenez bien? Même quand on a besoin même droit, même quand femme a besoin même droit, mais on a une galanterie qui fait entre femme et garçon. Mais nous, on doit faire par élève de temps en temps, lever, à lâcher pio. Et puis, regardez, il y a un pile bagaille pour nous manger derrière là. À mon fils qui est là. Non, donc, est-ce que vous avez un film d'accord, non? Garçon, il y a un café solidarité avec garçon, tout. C'est normal. Professeur, garçon, il y a un. C'est pour ça que nous avons la conférence de débat. Vous êtes d'accord? Ah. Et par l'église, nous sommes là. Malin débat, ça m'a fait pas. Okay. On est là, on vient commencer. Donc, avant de continuer avec tout ça, pas oublier, monsieur Danoual, avant de nous prendre question, nous gagnons, et permettre que je parle français parce que c'est des français, parce que grand pile monde qui rejoignent la crise Haïti, grand pile monde qui peut coller avec la crise haïtienne. Non? Donc, nous avons avec nous des représentants de Gilets jaunes qui sont au courant de ce que nous sommes en train de faire. Donc, ils sont partis, ils viennent de cette salle-là. Applaudissez, s'il vous plaît. Les Gilets jaunes. Pour, en quelque sorte, pour élever la voix aussi. Et je vous invite, monsieur, si vous avez quelque chose à nous dire. Donc, vite fait, après, pour prendre les questions. Merci beaucoup. Merci. Merci. voilà, ok. Oui. Écoutez, je voudrais remercier de l'invitation. Parce que c'est vraiment un honneur pour nous, les Gilets jaunes, de venir dans cette salle à ce débat. Parce qu'en fait, nous aussi, les débats sont vifs, évidemment. Parce que nous, ça fait un an qu'on est mobilisés, presque. Ce week-end, on va fêter un an du mouvement Gilets jaunes dans toute la France. Et c'est vrai que les thèmes qu'on entend par rapport à Haïti, on les vit ici. Hein, la vie chère, le manque de démocratie, la répression aussi. Nous aussi, on l'a subi. Alors c'est vrai que là-bas, il y a des morts, comme dans d'autres pays comme le Chili. Mais c'est vrai que nous aussi, on subit une répression. On a pas mal de blessés. Mais après, c'est vrai que nous, on essaie de construire aussi. C'est très difficile parce que c'est vrai qu'on a un modèle dominant qui nous dit qu'on a tout faux, qu'il faut accepter la situation, qu'on n'a pas le choix, qu'il faut attendre les prochaines élections pour décider de notre avenir. Eh bien, nous aussi, on refuse ce genre d'échéance parce qu'on se dit qu'il faut se prendre en main. On est un peuple, on a une autre histoire. Et c'est vrai que, comme vous, les Haïtiens, vous avez votre histoire. Et c'est vrai que c'est important pour nous que quand on parle du colonialisme, que nous aussi, on a nos torts d'avoir essayé d'imposer notre modèle au monde entier. Et pour nous, c'est une erreur parce qu'en fait, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Nous-mêmes, maintenant, on est en crise dans notre pays. Ça veut dire que notre modèle n'est pas parfait. Donc vous avez raison quand vous évoquez le français et le créole, que oui... Vous avez raison de dire que c'est votre langue, que le français, il va rester en France. Déjà, on voit que les Français ne parlent pas très bien français parfois. Donc, il faut mieux qu'il reste en France, qu'il s'étend ailleurs. Donc,
Mais c'est vrai que la démocratie, c'est très important. C'est un exercice très difficile et on l'exerce à travers des assemblées locales, à travers des assemblées qui se réunissent régulièrement pour discuter, pour savoir ce qu'on veut comme modèle économique, modèle social, modèle politique. C'est très difficile parce qu'on nous dit justement, ça sert à rien. Et nous, on est persuadés qu'on a raison parce que tous les samedis, on continue à manifester. Et on sait que si on nous a invités, c'est aussi parce que moi je suis allé au Chili au mois d'août, et là aussi les Chiliens sont très intéressés par les gilets jaunes. En Italie aussi ils sont très intéressés, et parce que justement on est en convergence, hein, finalement la convergence des peuples elle existe, hein, on a un peu les mêmes difficultés partout. Donc la convergence des grands multinationales, la convergence des organisations internationales, elle existe depuis très longtemps. Nous aussi, entre peuples, on doit être dans la convergence, parce qu'on a des revendications finalement communes, malgré les distances, malgré les océans, malgré les langues. On a une convergence commune, c'est plus de démocratie, assez de répression, assez d'oppression. Et on est tout cœur avec vous, et on espère qu'un jour on aura une manifestation commune, de convergence avec vous, et on le souhaite de tout cœur parce que c'est important pour nous que le mouvement Gilets jaunes, ce ne soit pas qu'un mouvement, on va dire, français, mais aussi international. Qu'on porte le gilet jaune ou pas, et on est tous pareils. Voilà. Belle bonjour. Moi, pas ça parler créole, moi, c'est martiniquais. J'ai eu la chance d'aller dans votre grand pays. Je suis d'une petite île, la Martinique. J'ai eu la chance d'aller dans votre grand pays, Haïti. Je suis allé du côté de Gressier, à bord de mer. Je salue Jooms Wilbert. J'ai eu la chance de découvrir ce pays qui unit l'humanité, ce pays qui est... Je ne suis pas haïtien. Bientôt. Nous avons parlé de spiritualité. Nous avons parlé d'histoire. Nous devons parler d'action. J'ai des propositions. Je n'ai pas toutes les solutions. Vous l'avez trouvée déjà. Elle est écrite noir sur blanc sur le drapeau de votre pays. Si nous étions dans un film, ce serait trop facile. Ce n'est pas un film. Ce sont nos vies. C'est l'humanité. Ce que je dis me dépasse. Mes propositions. À toutes celles et ceux qui regardent, qui ont aimé telles interventions, j'aimais sur Facebook, c'est bien, mais partager, c'est mieux. À toutes celles et ceux qui ont abandonné, qui n'ont plus d'espoir, j'ai envie de leur dire, l'espoir fait vivre, mais on n'en vit pas. Alors vivons. J'ai envie de dire qu'il est temps. Qu'il est temps de s'unir dans la paix, aujourd'hui, pour demain. Il en va de notre responsabilité à toutes et tous. Il en va de l'avenir de l'humanité, de l'avenir de notre habitat. Il en va de l'avenir de nos enfants, de mes enfants, de vos enfants. Mes propositions. Jamais penser petit, pensons grand. Pourquoi pas, il faut que je fasse court. En Haïti, une chose m'a révolté. J'ai diffusé un film violent, américain, en anglais. Pardon,
En Haïti, quelque chose m'a choqué. J'ai diffusé un film violent, en anglais, qui n'était pas traduit en créole. J'ai découvert que plus de 9 millions de personnes n'ont pas accès à la culture mondiale, cinématographique. Arrêtez-moi si je me trompe. Existe-t-il un studio de traduction des films, des livres, des conférences en créole? Est-ce que tous les Haïtiens y ont vraiment accès? Est-ce que, voilà, une proposition. Les Haïtiens ont de l'argent. On peut les citer. Mais je ne vais pas les citer. Hier, nous avions des chaînes aux pieds. Aujourd'hui, nombreux sont celles et ceux qui en ont encore dans la tête. Aujourd'hui, des frères et sœurs en fabriquent en or, en argent, avec des diamants et les arborent autour de leur cou. Je ne vais pas les citer. Ils ont des diamants. Brisons ces chaînes. Cassons ces pierres qui ne sont précieuses que pour les bijoutiers. Changeons de paradigme. Changeons ce monde, il nous appartient. D'autres propositions. Haïti, ce grand pays, a refusé un don de Monsanto, si je ne me trompe pas. C'est une grande terre qui fait 10 fois la Martinique et la Guadeloupe ensemble. Et je parle seulement d'Haïti aujourd'hui. Alors, pourquoi ne pas faire par nous-mêmes, je dis nous, je ne suis pas encore haïtien, permettez-moi, mais il faut que j'y retourne bientôt. Pourquoi ne pas faire tout ce que l'on sait faire en bio et en équitable, sans venir demander une certification? S'il vous plaît. Le colon, est-ce que c'est bio? Est-ce que c'est équitable? Nous-mêmes le savent. Merci, nous n'avons pas assez de temps. Merci. Ok, alors je termine. Rendez-vous à celles et ceux qui le souhaitent. J'y serai peut-être seul dans le froid. Dimanche, tous les afro-descendants, dimanche 17 novembre, pour l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi pas avec les Gilets jaunes? Je ne me suis pas présenté. Je suis pas seulement Gilets jaunes, je suis un être humain. Et j'invite celles et ceux qui veulent aller avec les Gilets jaunes à y aller. J'y serai aussi, j'espère, avec des choses pour ne pas me faire crever les yeux. Parce qu'ici, c'est normal. Les armes sont semi-létales. Elles tuent à moitié. Donc ça va. Rendez-vous le 17 novembre sur la place des droits de l'homme. Paraît-il qu'elle existe ici, dans ce grand pays, la France, où sur le bâtiment de nos écoles et de nos mairies, il y a marqué « liberté, égalité, fraternité ». Ce ne sont que des mots, des décorations. Merci. Le 17 novembre, sur la place du Trocadéro, devant la Tour de Fer, ensemble, commençons l'union qui fera notre force. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Les Gilets jaunes. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Bon, maintenant, on va passer aux questions. Avec le public, normalement. Et Madame Evine, elle est prête. Nous avons besoin de deux gentilles demoiselles ou bien deux gentilles dames. Les accueils, s'il vous plaît. Pour passer le micro. Merci. Madame Marie, elle est déjà là. Et pour la première question, tout de suite, et Marie. Attends, professeur chéri. Avant nos trois questions, et si on m'a fait. Ou besoin manger gentiment, doucement, aller derrière, ou avoir une bagaille pour acheter. Ou avoir ça nous connaît, haïtien qu'on fait, yo, nous aimons manger en pile, aller derrière, nous avons besoin d'un prix, nous tout qu'à manger. Parce qu'il n'y a pas de monde qui fait journée là, grand goût. Professeur chéri. Ok, première question à monsieur à casquette qui là, qui était levé même, qui m'a identifié, n'a prenez. Et puis ce n'est pas nous-mêmes pour nous pas dire non, hein, c'est mesdames qui ont choisi, qui non, qui levé mais ouas. Non même n'a dirigé le n'a dirigé oui, exactement. On a même parlé pas a parlé. Et s'il vous plaît, nous ouais pas grand assez de temps tout le monde a même poser question. Pas fait une minute chaque pas élaboré. On nous pose question parce qu'il y a assez de monde seulement à prendre. Nous pas besoin élaboration. Question seulement pour les intervenants. Avec intervenant.
Ah bah. Mais... Ah, mon ami, pas faire comme ça. Pas faire comme ça. Ou pas la gueule comme ça. Ou qu'on ne pas la gueule comme ça. Pas faire comme ça. Et. Ah. Donc, mec, commencez. Bon, voilà, c'est Monsieur Ducasse. Ouais, on voit haïtien, on va dire. Merci déjà parce que nous passons le micro. Un peu trop de bruit là, dans la salle, s'il vous plaît. Alors, moi-même, Sam Debledi. Alors, avant de me poser une question, je vais adresser moi à tout intervenant. Très bien, monsieur. Je trouve que le premier compatriote qui est intervenu là, il y a un langage beaucoup technique et qui compliquait vraiment la compréhension d'un petit peu tout le monde. Il parlait créole, bien sûr. Mais c'est un langage technique et aussi, il ne faut pas qu'avouer Pierre Lansouli parce que c'est aussi dans son domaine. Deuxièmement, c'est notre ami qui est à côté de là. Monsieur. Monsieur Béliard. Monsieur Béliard, il évoquait 3 ou 4 points, mais il y a un point important, il n'est pas développé. C'est le colonialisme. Voilà, néocolonialisme. Donc, c'est. Voilà, exactement. Donc, ça. C'est bien malheureux d'aussi attendre pour ça. Alors, pour finir, je trouve que nous un petit peu écartés. Nous faisons trop d'historique. Alors que nous avons quitté l'actuel, la conjoncturelle, en dehors. Vous voyez, et nous sommes un petit peu écartés de thèmes, attendez, de. Nous parlons de droit au but. Ou pas besoin, nous parlons de droit au but. D'accord, tu es évoqué. Donc, moi-même, c'est juste pour m'éclaircir un petit peu les choses. Après, très bien, ma très bien, très bien. Merci beaucoup. Alors, excusez-moi, et avant de finir. Alors, malheureusement, les gilets jaunes sont partis. Moi-même, je voulais demander aussi que, pour porter message de restitution de 21 milliards que vous avez à Haïti, hein, malheureusement, ils étaient partis. Mais malheureusement, merci. Ok. Ok. Non, crapez là. Non. Ok. Nous, Zaminon, les frontières élaborées tout petit dans une minute, mais ne pas poser question. Ok? Nous prenons deux questions pour l'instant pour nous commencer. Et qui est-ce que tu as? Il y a une deuxième question. Ok. Mabda Keyo, allez pour tes micros, allez. Ok, c'est bien. Ok. Bon, et bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Moi, content en pile avec nous après-midi. Parce que moi, je crois qu'il y a un grand monsieur là, qui est monsieur Soré. Il a dit un bagarre là tout à l'heure. En 91, il est rentré en France. Dans la radio latine, il a dit que il ne pas comprendre haïtiens qui vivent en France, haïtiens qui vivent au Canada. C'est sur radio latine. Il a parlé avec Richard Coles. Par contre, s'il. Souvenez-moi moi de mots saleté dire. Alors nous mêmes haïtiens qui en France m'a dit ça jodi a nan mitan nous gon clan qui gen en France clan moun k'ap travaille pas respecter moun k'ap travaille c'est moun qui pas travaille c'est yo bay valeur même média haïtien me remercier RSI pour travail que li fait avec association Frères Unis nous même nous gen des associations dans communauté a. Des associations, c'est étrangers qui aident nous. Même les haïtiens ne connaissent pas association qui vivent dans la communauté. Haïtiens, moi, me dis, c'est hypocrite. Les villes là, ils ont montré qu'on valait, mais ils n'ont pas aucun valeur dans la communauté. Tout nègre intellectuel qui gagne, autant de intellectuel, ils ont nommé intellectuel dans les haïtiens. Ou pas, j'en vois au côté, ils montrent valeur, aux capacités, devant l'opinion internationale. Alors, je dis, me dis-nous ça, nous, tous haïtiens qui là. Pas tout le monde qui a battu Anana pour Suzanne. Moi-même qui là, j'ai près de 10 associations, j'ai 37 panels WhatsApp. Que nous, que mon ami, nous, Frisne Bertrand, qui est là, qui travaille, rache-pied dans l'association, nous qui patriotes. Monsieur, m'a dit nous bagaille. Ouais, je dis, t'es gros monsieur qui est le pétiel, qui tout le temps,
qui ont une association qui est MACN, qui est toujours qu'on mot qui est la conscience nationale. Haïtien n'a pas aucune conscience, une seule conscience, il est là pour détruire, mais il n'est pas là pour construire. Que si on regarde moi qui dit, monsieur Adia, l'union fait la force, l'union c'est la haine, il fait la jalousie hypocrite dans mes nous. Merci beaucoup. Ok. Il reste une deuxième question. Une troisième. Troisième. Non, c'est pas une question. Non, jusqu'à présent, pas qu'aucune question. Mesdames, messieurs. Excusez-moi. Miko a même bon ici pour question. Ok, très bien. Et Ronald. Merci. Doriska. Moi, c'est Damoui Ronald qui représente KMT FM et une émission 360 degrés le dimanche. Donc, qui anime li. Et je salue le panel là, je salue tout le monde qui est présent. En fait, c'est à féliciter. Donc, question pas ma montre de droit au but. Donc, et problème dans ces problèmes sociopolitiques liés actuellement là. Ça veut dire. Il m'a montré deux à tout. Donc, je vous dis, président Jovenel, tu fais un appel. Appel à l'unité, appel pour un gouvernement d'union nationale. Nous remarquons que tout secteur qui est concerné, en fait, qui peut qui peut monter le gouvernement, et M. Aponea, tout secteur, ça, on a parlé des secteurs et société civile, partis politiques et secteur privé, et ceci, ils ont retrouvé, en fait, dans une grande rencontre qui s'est faite dans l'hôtel Marriott, ils ont retrouvé en fait ensemble d'un côté, en fait dans la bataille politique là. Donc je dis, est-ce que le président Jovenel Salapone, est-ce qu'il pourra joindre pour arriver en fait pour payer, arriver débloquer, arriver former un gouvernement d'union nationale. Et tout le monde qui t'a supposé dans le gouvernement ça, ils ont bon. Et puis le président Jovenel lui seul, c'est la grande question. Qui ça nous-mêmes nous, ouais, parce que le pays, ça c'est bloqué. Et ceci, appel à l'unité nationale là, appel à gouvernement d'union nationale là, les Oueli, en fait, de deux côtés. Les deux côtés, le président de l'Ambo, et puis monsieur Sayo l'a demandé pour faire gouvernement avec là, d'un côté. Qui ça nous, nous-mêmes nous, ouais? Qui ça nous pensez? Merci, Ronald. Nous prenons note. Et Naomi, une question sous bon pour là. Attention, on sait la question pour l'instant. Et, m'absalue nous toutes. Et, un confrère. Il y a un confrère en fait qui parlait, qui dit que la plupart haïtiens c'est hypocrite. Et journée aujourd'hui, je suis capable de dire non, parce que grand pile nan nous qui travaille, grand pile association, même Jean Frères Unis, même Jean APDH, même Jean FA, et me saluer tout le monde qui est dans la communauté. Je fais quelques petits calculs là, quand même. Seulement association, qui est en 5-6 millions d'euros seulement. Seulement ça me connaît grand pile bagaille qu'a fait. On n'a pas contextualisé ça qu'a fait dans le pays, dans la République de Port-au-Prince. Faut que nous, si on action mené dans Akin, il n'est pas forcément crasé pour autant. Les gens du fait Port-au-Prince, pas du fait dans Akin. Quoique, les gens du fait dans Port-au-Prince, l'école actuellement, pour de paix, a travail. L'école actuellement, au cap bloqué. Jean Abel. Gain l'école au cap bloqué. Donc c'est pas même bagaille. Alors, pour me finir la question, gain madame qui t'a posé question très bien selon actualité. Comment expliquer la crise haïtienne? La stabilité du pays est-elle envisageable sans le départ de Jovenel Moïse? Tout le monde répond sauf lui-même. Mais et t'a aimé seulement éclaircissement par nous, parce que après, ça dépend de son question d'histoire. Qui l'a Haïti né? Est-ce que c'est 1492 ou bien est-ce que c'est voilà, 1er janvier 1804? Ça a un grand débat là-dedans. Donc, je ne veux pas rentrer dans le domaine ça. Même temps, mais nous répondre à la question d'actualité. Comment y a une stabilité en Haïti nous capables d'envisager lui sans départ Jovenel Moïse? Nous avons deux réponses très concrètes, même si nous ne pouvons pas mouiller nous, mais mouiller nous, s'il vous plaît. Est-ce que c'est oui, lui doit partir, ou bien non, lui pas doit partir? Moi-même, d'accord pour non, mais est-ce que nous-mêmes qui connaissons, est-ce que nous-mêmes nous d'accord? Merci, Kendi. Et nous avons commencé. Écoutez, là, attendez bien, il faut que nous ayons un dirigeant. Écoutez, nous avons 5 panélistes. Chaque a une minute pour avoir une réponse avec question que nous posons. Monsieur Pemakari. Alors,
Et bon, je vais juste pour ton précision sur la dernière intervention qui s'est faite là. Moi, je me rends compte que qu'on manque de tolérance qui presque vient atavique la caille haïtien parfois. Ça veut dire l'incarner dans sa lié à même. Donc, par exemple, il y a deux questions. Alors, il y a deux questions. Si nous regardons dans toute affiche que l'organisateur a été distribué, il y a deux questions qui sont soumises à discussion panéliste, à échange panéliste. Et chaque panéliste qui l'a, c'est que avant même que vous intervenu jeudi à là, il était clair avec l'organisateur que chaque monde dit m'a intervenu sous tel aspect. Tout le monde n'est pas spécialiste dans tout bagaille. Ou pas qu'à demander pour intervenir sur des bagailles conjoncturelles si moi-même pas tout élément conjoncturel là. Est-ce que je ne suis pas dans les arcanes du Palais national? Je ne sais pas ce qui se passe au Palais national. J'entends les discours des politiques. Donc ça veut dire moi-même m'estimer que moi pas j'ai assez d'éléments pour me prononcer sur une série de bagailles. Donc ça c'est choix personnellement, il y a l'autre monde qui aborde. Donc ou baga dit que c'est seulement madame là qui répond à question. Tu as deux questions et puis en plus a un deuxième panel. Ensuite a un deuxième panel et moi crois que au départ d'après ça qui était discuté avec organisateur yo, c'est surtout deuxième panel là qui pral aborder des questions ça. Donc, et je dois souhaiter que l'éclair pour chaque monde. Et puis, Jean-Professeur Sore Tabdil là, crise haïtienne n'est pas seulement conjoncturelle, son crise systémique, tant que professeur Michel Hector te dit, son crise systémique, son crise sociétale qui dépasse ses conjonctures. Si nous, chaque fois, nous essayons de joindre des solutions conjoncturelles à une crise qui est structurelle, qui est systémique, n'a toujours n'envoyé aller, n'a toujours dans la rue chaque jour. Donc, on chita pour que nous posions problème yo dans racine yo pour nous voir qui ça fait aujourd'hui à nous dans crise conjoncturelle ça n'y a et puis pour nous regarder pour nous voir qui Jean Haïti doit repartir pour que nous éviter à chaque fois répétition même élément de crise yo parce que un pays qui a toujours fait face à des crises mais pas qu'à chaque fois c'est même élément de crise yo. Donc ça veut dire qu'on problème à la base, m'bral dit faut je venir aller ou pas. Après ça, gen moun là qui pa quitter me sorti de yo là. Non mais faut une clé sous ça. OK, non, faut une clé sous ça. Non, moi j'ai vu l'attitude. OK, merci. J'ai vu l'attitude des gens. Merci. Ça c'est premier bagaille. Deuxième bagaille, c'est que j'en me dis là, c'est pas question à répondre ni pas oui ou pas non, il pas changer rien si problème yo pas posé à la racine. Merci. OK. Comme nous disons, il y a une question, chaque paneliste qui a dit un mot, il y a tout qui ne doit pas décider de répondre. Est-ce que vous comprenez bien? Mais tout le monde qui pose une question là, il a besoin de réponse. Mais je dis, nous ne pouvons pas sauter là tout pour nous-mêmes, pour nous pas voir comment nous sommes capables d'unifier nous-mêmes qui vivons dans la diaspora. Il faut qu'on ait une décision qui prend entre nous. Et puis, ça, c'est son première édition. Deuxième édition, pas trop longtemps pour nous parler. Et nous croyons que Belia, ou grand petit parole, mais on a une minute pour avoir une réponse concrète sur la question. Ok, merci Doriska. Je vais me dire, nous sommes frères, nous sommes tout le monde qui l'a, mais nous avons un comportement qui est très pompier. Les problèmes n'ont posé, au lieu de chita pour nous réfléchir, pour nous jouer une solution, nous voulons faire un bagage comme si nous avons des cadeaux, vous m'avez dit. La crise qui vient à Haïti, ce n'est pas Jovenel qui vient avec elle. C'est ça que je veux que chaque monde comprenne. Ce n'est pas question est-ce que le bras aller ou bien si là, les sacs prennent le risque. Du tout, ce n'est pas ça du tout. Le premier pour nous garder, c'est que de 86 à aujourd'hui, il y a une bonne démocratie importée. Il faut appeler la collecte nous bio. Tout le monde content, oui, c'est la démocratie. Mais on regarde un bagage qui est simple. Lorsqu'on voit, on ne parle pas au moment où on a Timoun là-dedans, pas vrai? L'on problème pose, Timoun n'a pas fait des ordres, on
y a des lèvres, il y a des gens qui pour, il y a des gens qui disent, ah, corriger ça, non. Okay. Mais après, il y a des gens qui toujours béré, il y a des qui mais l'aile vient éclater, elle vient piquer, elle ne peut pas résoudre. Après, elle ne dit pas là, elle ne dit pas ceci, elle ne dit pas cela. Mais c'est parce que nous n'avons jamais pris le soin, le temps, pour nous dire, on corrige la base, pour que demain, c'est pas ça, le bail. C'est même pour Chris Beyato. Personne ne va décider chita pour poser les vraies questions, pour nous joindre les bonnes solutions. C'est ça que nous avons dit là. Tout le monde toujours dit si c'est moi, si c'est pas moi, il n'y a pas une personne. Du coup, aucun monde ne va décider vrai, parce qu'il n'a pas choisi. Le fait de vivre ensemble pour nous faire une priorité pour nous. C'est ça que nous avons choisi de faire. Même Jean vient de dire l'alia. L'union fait la force. C'est des visas ici, pas vrai. Mais pour qui ça nous avons choisi pour nous prioriser ça? Tout le monde doit jouer ses têtes, yo. En vrai, je venais là, comme si je venais là, les demain, crise la brise. C'est pas vrai. C'est faux. Parce que nous ne pouvons jamais chita pour nous poser les vrais problèmes du pays. On choisit chita. Pour que ça, si je dis en conférence à fête, son question de vous, s'il va aller ou. Mais ce n'est pas ça lié. Le problème est beaucoup plus profond. Ce n'est pas aborder le problème dans le cœur et puis quitter la tête là, mi-temps ou pas là-dedans. D'accord. Je n'ai pas mis dans la conjoncture absolument pas. Au contraire, j'ai dit elle a pris une autre position, elle a lancé une autre thèse qui n'est pas forcément corollaire à ma thèse. Justement. Parce qu'elle, elle parle de 1492. Or, moi, je pose une question sur la naissance, tout simplement. Non, 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 je suis d'accord. Je pose la question sur les feuilles et puis on okay. Ok, ok. Je pense que dès le départ, je me dis ça à Doris qui t'a invité comme panéliste. Je participe dans plusieurs conférences déjà. Il y a un problème qui est toujours posé. Nous refuser pour nous poser problème scientifiquement. Du coup, solution, il n'y a pas de joindre. Il n'y a pas de joindre du tout. Savoir dans la ria, si nous ne pouvons pas pour nous rentrer dans le monde scientifique, là, il n'y a pas de résultat. Nous faisons plus que 200 ans pour nous faire ça. Là. Bon lieu pour problème yo poser, pour savoir yo partager, pour solution yo ka vini. C'est li pou nou faire. Souvini là ou vin participer, c'est pas explain nous comme si di haïtien pas bon haïtien. Non, c'est pas ça n'a chercher. M'a chercher pierre de participation, parole là pour me coller là pam nan pou nou ka avancer. An si span explain nous, an si span di problème yo, c'est pour yé ka résoudre problème yo, c'est non, c'est pas ça lié du tout. Nous sommes à l'heure de la scientificité. On ne pose au côté. J'en pose au côté. On a besoin d'une solution. Merci. Merci. Bravo, bravo. Et avant docteur Sauré, et place un élément de réponse. Et nous comprenons l'envie ou l'engouement de tout le monde. Nous-mêmes, nous avons pensé déjà avec première question ou bien premier terme qui était nous-mêmes diaspora. Nous-mêmes en France, comment nous avons là qui a pas capable porter nous plus déjà dans le journal s'il peut aller ou pas. Alors ce que même besoin nous-mêmes déjà ouais tête nous. Et quand ça me passe une table le prendre après pour entrer, m'a bien dit, demander excuse la bonne c'est moi, m'a dit après n'a pas entrer dans senti dur. Parce que m'a voulu mettre nous-mêmes en valeur pour nous qui wall nous ça nous penser comment nous ouais tête nous dans crise là, mais nous presque retirer tête nous et puis n'a chercher en bas. Bon, c'est comme ça, Noël, pas de problème, mais ce n'est pas ça, nous devons. Monsieur Sauré, docteur Sauré. Oui, alors, sous question, yo, position, c'est même avec mon confrère Siméon et mon confrère Valérie Béliard. Hein, c'est-à-dire que nous, on est, enfin, nous-mêmes, nous gagnons une façon que nous abordons des questions, yo, et nous, pas jamais, en tout cas, non, moi-même, l'aime participer avec nous pour me réfléchir avec nous.